Ken ici, monsieur. Allez, on y va. Ok, c'est bon. Bonjour à tous. Messieurs les recteurs, messieurs les doyens, mesdames et messieurs les participants, chers collègues, en quelques mots, je tiens à exprimer au nom de toute l'équipe qui a participé de façon active à la préparation de ces colloques, le plaisir que nous avons à vous accueillir aujourd'hui. Et j'invite sans tarder les recteurs, Monsieur Monseigneur Philippe Borden, à ouvrir cet espace de rencontres réflexives de 2 jours. Monsieur le vice-doyen, merci de vos paroles. Monsieur le doyen, chers collègues de l'enseignement catholique et de l'université publique, chers étudiants, et je m'adresse également aux étudiants, donc ceux de L3 qui sont devant moi et ceux qui sont dans la salle juste derrière. Un grand bonjour. J'aimerais vous entendre à travers la cloison. Ah, ils sont tous entrés. Ah, ben, alors, je veux vous entendre. Chers amis. Oui, c'est bon. C'est bon. Monsieur, mes chers amis, le colloque s'intitule « La pédagogie sert-elle encore à quelque chose ?» Mais je voudrais commencer par dire mon intérêt, ma joie, non seulement pour l'Assemblée ici réunie, mais pour le sous-titre qui a été choisi, « Un héritage éducatif pour de nouveaux défis ». En effet, c'est la vocation de l'université que de réinterpréter l'héritage pour aller de l'avant. C'est ce qu'on appelle le travail sur les sources. Les sources, ça peut être des images. L'ISP a été pionnier en travaillant avec l'ACNAV. J'ai un grand regret, c'est que l'ACNAV avait produit les images de la venue du pape Jean-Paul II en 1980 ici et que je n'ai jamais pu remettre la main sur ces images. Les sources, ce sont des textes. Les sources, ce sont également des témoignages vécus. Et donc le travail universitaire a particulièrement pour objet d'examiner les sources pour les expliquer, mais aussi pour les comprendre. Vous reconnaîtrez une dualité de termes, un mouvement, une dynamique que le philosophe Paul Ricoeur, dont l'un de nos auditoriums porte le nom, que le philosophe Paul Ricoeur a particulièrement déployé dans son travail. Expliquer et comprendre. Je dirais aussi expliquer, et pendant ce colloque, en interrogeant les uns et les autres, on s'efforcera d'expliquer, mais pour comprendre ce qu'il en est de la pédagogie et de son utilité sociale. Mais le mouvement ne s'arrête pas dans expliquer et comprendre. Si vous êtes réunis, je vous dis vous, parce que hélas, je serai appelé à d'autres activités dans la journée, mais si vous êtes ici présent, c'est pour que dans ce travail des sources, dans ce travail de relecture de l'histoire de l'ISP, Faculté d'éducation, vous puissiez vous laisser transformer. Et je pense que c'est une des fonctions, je dirais même c'est la fonction majeure de l'université, on l'oublie parfois trop, que de permettre aux enseignants et aux apprenants, ensemble, de se laisser mutuellement transformer. Évidemment pour un service, ici le service de l'éducation, de la pédagogie, mais cette visée qui est de se laisser transformer, je souhaite au début de ce colloque que vous puissiez tous l'avoir au cœur. J'ai eu la joie, avec mes deux collègues ici présents et d'autres qui sont dans la salle, de remettre vendredi dernier dans ce même amphithéâtre René Raymond, de remettre ce document, Institut catholique de Paris, l'esprit des lieux, à tous les diplômés de la faculté d'éducation 2016.
C'est un très beau livre, je vais vous faire baver, parce qu'il n'est pas disponible pour tous, mais vous pourrez, si vous voulez, vous le procurer. Dans ce livre, il est question notamment du palais abbatial. Parmi les voix que vous entendrez, il y a celle d'Albert Moine, qui fut directeur, dont je fais la connaissance, il vient de Saint-Étienne, il fut directeur dans les années 80. Je salue Madame le doyen honoraire, Chantal Pézan, qui pendant 9 années a assuré la direction de l'ISP. Vous trouverez donc cette magnifique photo du palais abbatial. C'est le seul de nos bâtiments qui date du XVIe siècle. Ici, nous sommes dans le XVIIe, le XIXe, le XXe siècle et très bientôt le XXIe siècle, avec l'inauguration du nouveau campus le 3 octobre prochain. Mais je vous lis ce qui est dit du palais abbatial. Consacré aux pratiques éducatives, l'Institut supérieur de pédagogie a été fondé en 1963. Initialement situé quai des Fleurs, sur l'île de la Cité, peut-être ne le saviez-vous pas, certains, il s'est installé en 1978 dans le palais abbatial de Saint-Germain-des-Prés. Construit à la demande du cardinal Charles de Bourbon au XVIe siècle, le palais abbatial est l'un des premiers bâtiments parisien construit en briques et en pierre. Voilà. Et puis, bien sûr, il n'y a pas que des pierres, que des briques. Il y a des visages. Ici, Béatrice Bachmann, qui est chef d'établissement du collège lycée Charles Péguy. Et puis, il y a d'autres figures que vous pourrez découvrir. Se laisser transformer, cela suppose d'accueillir des visages, des paroles, un projet qui se transforme et qui est un projet universitaire, une histoire collective et personnelle. Donc j'en viens au titre, la pédagogie sert-elle encore à quelque chose ? Je ne veux pas déflorer, mais vous dire simplement ce que, comme recteur de l'Institut catholique de Paris, j'entends dans cette question et comment la question de ce colloque vient en phase, en synergie, avec des questions que nous nous posons, pas seulement à la faculté d'éducation, mais pour l'ensemble de l'institution. Il me semble, mais je laisse cette proposition à discussion, n'est-ce pas, et vous me direz ce qu'il en est à la suite de ce colloque. Il me semble que ce qui anime profondément l'ISP Faculté d'éducation, c'est un héritage personnaliste. Cet héritage personnaliste est partagé aujourd'hui avec le FPP, avec plusieurs ISFEC, l'ISFEC Île-de-France, l'ISFEC La Salle Mounier, l'ILEPS, qui est l'école des métiers du sport, mais également d'autres écoles associées à l'Institut catholique de Paris. Je pense notamment à celle du réseau lassalien, comme la salle Beauvais. Mais évidemment, héritage partagé par d'autres facultés et instituts de l'Institut catholique de Paris. Je me réjouis que la directrice adjointe de l'ISPC, l'Institut supérieur de pastorale catéchétique, qui est également particulièrement investie dans les questions pédagogiques, j'ai cité Isabelle Morel, soit ici présente, et je ne peux que former le vœu que ces réflexions pédagogiques, qui sont la vocation première et particulière, spécifique de la faculté d'éducation, puissent rayonner dans l'ensemble de notre université catholique. J'ai cité les partenaires, il faut également citer les formations. Nous disposons d'une licence en sciences de l'éducation, parcours, accompagnement et promotion de la personne. Nous disposons d'un master sciences humaines et sociales, action éducative internationale, qui est logé à la FAS, la faculté de sciences sociales et économiques, mais en partenariat avec l'ISFEC, la Salle Mounier. Et puis, je voudrais citer, pour vous montrer que cette tradition, elle n'est pas seulement morte, ancienne, je voudrais, sans trop le faire rougir, vous citer quelques mots de la publication qui a servi à son exercice d'habilitation à diriger des recherches du vice-doyen Augustin Mutualet. Ce livre, très beau livre, s'intitule « De la relation en éducation ». Et pour qualifier ce qu'est une tradition personnaliste, je voudrais m'appuyer sur... Je ne vais pas vous infliger la lecture de tout l'ouvrage, mais simplement sur un paragraphe et demi. Il écrit :
une qualité substantielle de l'être humain est de répondre. La réponse n'est pas seulement une réaction. C'est le fait de reprendre la question à son compte et de lui donner une possible nouvelle forme pour habiter ou s'abriter dans un discours. Dans l'expérience de la sollicitude, il s'agit aussi bien de répondre à l'autre que de répondre de l'autre. Répondre à l'autre, c'est ce que nous nommons dans le cadre d'une première expérience, la sollicitude première ou la sollicitude affective ou encore peau contre peau. Hein, deux personnes, n'est-ce pas, qui ne sont jamais réductibles au corps, mais peau contre peau. C'est ce que Kierkegaard nomme après l'accouchement le second enfantement dans le monde par une tendre sollicitude. Si nous pouvons nous intéresser à l'éducation, c'est parce que nous sommes des personnes et que d'autres personnes ont marqué à notre endroit une sollicitude, peau contre peau. C'est tout ce qui nous est arrivé après l'accouchement. Mais c'est également ce qui nous arrive lorsque nous prenons le risque de la rencontre de l'autre personne pour que, ensemble, dans cette sollicitude mutuelle, nous puissions nous laisser transformer. Et donc, voyez, en ce moment, je vous disais, je voudrais vous ouvrir à ce que l'Université catholique, ici, travaille, l'ensemble des doyens et collègues avec les étudiants. C'est la question des humanités. D'ailleurs, un département des humanités numériques a été fondé au sein de la faculté d'éducation. Mais quand notamment le collègue de la faculté, doyen de la faculté de philosophie, Jérôme de Gramont, a travaillé avec les autres doyens sur que sont les humanités, il commençait par s'interroger sur le fait que c'est un pluriel. Pourquoi est-ce qu'on dit les humanités, hein, pour évoquer les cultures, les langues, les traditions culturelles, ce qui nous a fait devenir humains et qui nous fera encore devenir humains? Pourquoi dire les humanités alors qu'il s'agit de l'être humain au singulier? Eh bien, précisément parce que la personne est à la fois une, et nous savons ce que nous parlons lorsque nous évoquons une personne humaine, elle est à la fois une et diverse. Et donc, ce pluriel, les humanités, nous rappelle que l'humanité est une et diverse, et que la tâche de l'unité, mais aussi la tâche de la reconnaissance de la diversité, sont des tâches profondément humaines et personnalistes. Voilà. Et donc le même doyen disait, les humanités, ça ne sert à rien. Et la pédagogie sert-elle à quelque chose? Ça ne sert à rien, les humanités, apprendre les langues, lire des romans, ça ne sert à rien. Et pourtant, c'est absolument nécessaire pour que les personnes puissent devenir ce qu'elles sont appelées à devenir. Voilà, c'était la deuxième chose que je voulais vous dire. Et la troisième, puisque vous allez vous retourner vers l'arrière en écoutant des voix qui ont été enregistrées ou qui sont ici présentes, qui vont raconter l'histoire de l'ISP Faculté d'éducation, la notion de temporalité est au cœur de ce colloque. Et je pense que la temporalité, le temps, où l'histoire des personnes, l'histoire des institutions aussi, est au cœur de la question de l'éducation. Et là, je voudrais vous dire un mot. Albert Moine, tout à l'heure, dont je faisais la connaissance, me dit, mais il paraît que vous avez écrit, travaillé à Maurice Laetitia, qui est un texte du pape François. Oui, je l'ai beaucoup travaillé, je le travaille encore beaucoup. Et il y a dans la pensée du pape une phrase qui revient souvent, que je vous livre, vous l'avez peut-être entendu, vous ne l'avez peut-être jamais entendu, le temps est supérieur à l'espace. Je me suis, déjà son premier texte après son élection en 2013, comportait cette phrase étonnante, le temps est supérieur à l'espace. Je pense d'ailleurs qu'il veut dire, le temps a plus d'importance encore que l'espace. Mais c'est dans son document à Maurice Laetitia, publié l'année dernière, qu'il s'explique, enfin en tout cas c'est comme ça que j'ai enfin commencé à comprendre ce qu'il voulait dire là, et il l'explique à partir de l'éducation.
Donc je m'efforce de vous le dire pour terminer. Il dit, voilà, dans l'éducation, nous avons, notamment les parents vis-à-vis des enfants, mais ça peut être aussi les enseignants vis-à-vis des élèves, nous avons tendance à jouer espace contre espace. C'est-à-dire, moi, je suis là, vous voyez, au bureau, ben, j'ai la parole maintenant, et je vais chercher à prendre le pouvoir sur vous pour pouvoir vous emmener là où vous n'avez peut-être pas envie d'aller. Et il dit, en fait, c'est peine perdue aujourd'hui, enfin, ça a toujours été peine perdue, parce que justement, c'est une personne, c'est pas un objet qui se trouve en face, mais c'est encore plus peine perdue aujourd'hui, parce que on ne peut pas contrôler les enfants. Et donc, il évoque, vous voyez, ce genre d'objet. On sait qu'un certain nombre de parents qui sont tellement inquiets du devenir de leurs enfants ont imaginé, avec quelques agiles informaticiens, la possibilité d'user d'applications qui permettent de savoir où est son gosse. Et oui, mais l'enfant peut toujours échapper à ce contrôle. Et donc, quand le pape François dit le temps est supérieur à l'espace, il invite les éducateurs qui soient des parents, qu'ils soient des professeurs, qu'ils soient des formateurs. Ils invitent les parents, ils invitent tous les éducateurs, pardon, à initier des processus dans le temps plutôt qu'à chercher à dominer les espaces. Je pense que si les éducateurs ont au cœur d'eux et d'elles cette conviction que nous ne sommes pas là pour dominer des espaces, pour prendre le pouvoir sur l'autre, mais pour engager une aventure qui est une aventure éducative. Je pense que si tous les éducateurs pouvaient être convaincus de cela, alors nos sociétés seraient plus armées pour lutter contre la violence. Car c'est dans le temps, dans des processus temporels, que nous pouvons mieux assimiler la diversité de ce que nous sommes et donc l'unicité de chaque personne humaine. Je me suis efforcé de vous dire comment je pensais que la pédagogie servait encore à quelque chose, mais à condition que l'on accepte de reconnaître qu'il y a au cœur de tout acte pédagogique une démaîtrise, un non-contrôle, une gratuité. J'espère que alors que vous allez beaucoup travailler ou pour prendre la parole, pour écouter, pour discuter, pour regarder des images, j'espère que vous serez animés de cette gratuité qui donne sens à nos existences. Voilà, je vous souhaite un très bon colloque à tous. Je laisse la parole maintenant au doyen pour nous introduire, parce que nous lui avons posé une question par rapport aux enjeux de ces colloques. Et cette introduction sera vraiment une introduction discursive. Le doyen François Maud. Donc l'introduction discursive, c'est-à-dire que je vais parler, en fait. Je voudrais partir de beaucoup plus bas que le recteur, parce qu'évidemment, un doyen, c'est plus bas qu'un recteur. Mais pour vous dire que vous avez déjà constaté, comme moi, que l'éducation, c'est plus comme avant. Enfin, les jeunes, surtout, enfin, c'est-à-dire pour une part, vous, vous n'apprenez plus rien. Voilà. Alors que nous, de notre temps, on était formés. Voilà. Et donc, tout ça dessine un discours de la crise de l'éducation. Voilà. Alors, il y a des gens savants qui essayent d'expliquer que cette crise de l'éducation, elle est liée notamment à une série de mutations culturelles, sociales, techniques, anthropologiques. Voilà. Et que voilà, tout ça, ça permet d'expliquer que l'éducation soit en crise. Et puis, il y a des petits malins qui se pose la question de savoir, mais depuis quand l'éducation est-elle en crise? Et alors, il remonte dans l'histoire, et les plus scrupuleux remontent déjà à Platon, voilà, qui, dans La République, au livre 8, dit ceci,
Le père s'habitue à devoir traiter son fils d'égal à égal et à craindre ses enfants. Le fils s'égale à son père, n'a plus honte de rien et ne craint plus ses parents parce qu'il veut être libre. Voilà. Les plus paresseux font remonter le déclin à 1968 parce qu'ils n'ont pas envie d'aller chercher trop loin. Moi, je voudrais vous proposer d'entrer dans ce colloque par une année. Voilà. C'est l'année 1984. Pourquoi 1984 ? Parce que c'est une année intéressante en ceci qu'elle a connu trois événements consécutifs qui, lorsqu'on les relit, voilà, nous permettent d'entrer un peu dans notre question. Le premier événement, c'était un combat. Voilà. Un combat pour la défense de l'école libre et contre la loi Savary. Alors, pour ceux parmi vous, ils sont nombreux, qui n'étaient pas nés en 1984, moi-même j'étais au collège, vous voyez, c'était... Je rappelle rapidement qu'il y avait un projet de loi pour créer un service national public et laïque de l'enseignement, de l'éducation nationale, et que ce projet de loi, porté par le ministre Alain Savary, avait été considéré par l'enseignement catholique comme une agression, et que quand on se sent agressé, on réagit, et puis il y avait... plus d'un million de personnes qui avaient défilé dans les rues de Paris. Et à l'époque, un million de personnes, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de personnes. Et alors, on parlait de combat entre les partisans de l'école publique et ceux de l'école privée. On disait comme ça à l'époque, on disait l'école privée. Depuis, on parle d'école catholique, mais il se pourrait qu'elle n'ait pas pour autant perdu sa liberté d'école libre. Mais elle ne peut plus, en tout cas, se concevoir comme privée. D'ailleurs, c'est ce qu'empêcherait la loi Debré de 1959, qui la définit comme une école associée à l'État. Et donc, l'école catholique, c'est une des déclinaisons de l'école de la République. Mais, voilà. Mais donc, il y a eu une crise, il y a eu une manifestation. Et puis, avec ce combat-là, il y a un deuxième événement, c'est une crise politique. Puisque le président de la République de l'époque, François Mitterrand, a annoncé qu'il renonçait à la loi. Et puis, trois jours après avoir annoncé qu'il renonçait à la loi, son ministre de l'Éducation, Alain Savary, a démissionné. C'était le 17 juillet. Dans la foulée, le Premier ministre a présenté la démission de son gouvernement. Et le même jour, arrive un nouveau Premier ministre, M. Laurent Fabius, et qui nomme un nouveau ministre de l'Éducation, M. Jean-Pierre Chevènement. Le 19 juillet. Donc, tout ça, ça se passe en 5 jours en tout. Et là, d'un seul coup, le discours sur l'éducation change avec Jean-Pierre Chevènement. Et l'une de ses mesures phares, par exemple, c'est l'instauration d'un enseignement d'éducation civique. C'est aussi la volonté affichée de conduire 80% d'une classe d'âge au baccalauréat. Et puis, c'est le fameux retour de la Marseillaise à l'école. Et puis, avec cela... Alors c'est concomitant, mais il n'y a pas forcément de lien, arrive une crise dans l'éducation. Parce qu'il y a un tournant idéologique qui se cristallise autour de prises de position idéologiques avec un ennemi, la pédagogie. Avec une concentration des discours catastrophiques sur l'école, et puis un livre qui s'appelle « De l'école » de Jean-Claude Milner, qui marque vraiment un tournant idéologique parce que il met en place une série d'oppositions dont finalement nous sommes malheureusement encore les héritiers. Mon hypothèse, c'est qu'en 1984, la défense de l'école libre a durci les positions idéologiques au détriment d'un vrai débat sur l'école, qui n'a donc jamais eu lieu. Et donc la pédagogie, voilà l'ennemi, depuis plus de 30 ans maintenant. Alors, les oppositions qui sont présentées par Milner dans son ouvrage « De l'école » sont assez simples. Il y a d'abord une opposition fondamentale entre la transmission des savoirs et la pédagogie, puis une série d'oppositions qui est liée entre autorité et émancipation, entre enseignement et apprentissage, voilà, entre savoir et pédagogie, voilà, avec deux manœuvres qui vont avoir lieu en même temps. La première, c'est faire semblant que ces oppositions vont de soi,
elles semblent évidentes et donc ne sont jamais interrogées. Et puis affirmer que l'ensemble est placé sous le signe d'un complot, voilà, le complot de la pédagogie contre les savoirs. Et ces deux manœuvres conjointes, elles installent une idée, voilà, que la pédagogie, finalement, c'est une science un peu formelle, une science de la transmission, mais indépendante des contenus à transmettre. Et d'un seul coup, à partir de ce livre, il va y avoir une concentration anti-pédagogique depuis 1984, avec une série d'ouvrages. Alors, je fais une petite sélection, mais L'enseignement en détresse de Jacqueline de Romilly, Le poisson rouge dans le Perrier de Marie-Claude Bartoli et Jean-Pierre Despin, Le chaos pédagogique de M. Philippe Nemo, qui dirige pourtant depuis l'année dernière une école supérieure du professorat, L'horreur pédagogique de Guy Morel et Daniel Tual-Loiseau, L'imposture pédagogique d'Isabelle Stahl. Vous voyez l'ambiance. Plusieurs centaines d'ouvrages en 30 ans, et seulement pour la France, et seulement d'auteurs à peu près sérieux, même s'ils sont idéologiquement assez équipés, pour se battre plutôt contre vous, enfin, ils me permettent de le dire comme ça. Mais en tout cas, une idéologie est maintenant installée qui a désigné son ennemi, la pédagogie, et des déclinaisons. C'est le pédagogisme et les pédagogistes, lesquels sont généralement, dont la fonction est généralement précisée à partir de deux termes. Ce sont les pédagogistes terroristes et les ayatollahs pédagogistes. Voilà. Ce qui à l'époque avait beaucoup de sens. Alors, évidemment, on ne peut pas se résoudre à cela. On ne peut pas s'en résoudre parce qu'il faut mettre les choses en perspective. Je crois vraiment que les questions éducatives, elles ont été occultées au bénéfice de ces querelles partisanes, des clivages idéologiques qui n'ont absolument aucun sens. Il n'y a aucune raison, aucun argument raisonnable pour opposer, par exemple, transmission et savoir, pour opposer autorité et émancipation, pour opposer enseignement et apprentissage. Mais nous sommes installés dans une pensée du clivage. Nous sommes même installés nous-mêmes et parfois contre nous-mêmes dans une pensée clivée. C'est ça la force destructrice des idéologies qui est ici opérante. Et aujourd'hui, pour s'exprimer, on n'a plus besoin d'écrire un livre, il suffit d'écrire en moins de 140 caractères un tweet. Et j'ai fait hier un petit exercice, j'ai cherché les hashtags pédagogiste et pédagogisme. Et alors, vous tombez sur des flots d'insultes ininterrompus. C'est plus facilement disponible. Vous trouvez un éditeur, tout ça, voilà. Cette pensée clivée, elle est clairement mortifère, voilà. Parce qu'elle masque, en les absorbant, les vraies questions, et elle empêche même toute idée d'articulation. Voilà. Mortifère, c'était ça. Par exemple, on voudrait bien pouvoir articuler formation initiale et formation continue. Mais dans cette pensée clivante, on ne peut plus. Alors, il fut un temps peut-être, alors je ne sais pas si ça date de Platon ou de 68, mais où on pouvait penser, dans un monde stable, une culture stable, une société stable, qu'on se formait pour un métier et que les changements à la marche faisaient qu'on avait besoin d'une formation continue, enfin, des petites mises à jour de temps en temps. Dans un monde qui est en perpétuelle mutation, ça n'a aucun sens. Je pense notamment à ceux qui pensent, qui espèrent, qui rêvent de devenir enseignant un jour. Personne dans cette salle n'est capable de vous dire ce que sera le métier d'enseignant dans 5 ans. Alors, ça va être quoi la formation initiale? Ce que l'on sait, c'est que ça va être une formation continue qu'il faut initier. Il faut commencer à vous équiper, mais surtout en vous apprenant à vous équiper tout au long de l'exercice de votre métier, et même pour changer de métier quand il le faudra. Dans ce cas-là, l'opposition entre formation initiale et formation continue n'a aucun sens. Mais parce que nous sommes plongés dans une pensée du clivage, alors on se sent obligé de penser d'abord l'écart et ensuite après l'articulation comme on peut. Et je pourrais dire la même chose pour la formation universitaire d'un côté et la formation professionnelle de l'autre. Il y a des représentants des ISFEC et la directrice de l'ISFEC Île-de-France qui est là, et ça fait partie de nos débats. Voilà. Comment former par un diplôme de master,
des professionnels de l'éducation. Ou encore le lien entre recherche et formation, comme s'il s'agissait de deux mondes irréconciliables, de la méthode déductive et de la méthode inductive, comme s'il fallait choisir. Oui, voilà. Depuis 1984, peut-être même avant, mais 1984 l'illustre bien, on devient incapable de penser les articulations. Au milieu de tout cela, l'ISP Faculté d'éducation pose en 2017 la question « La pédagogie sert-elle encore à quelque chose ?» Alors, de deux choses l'une. Soit il s'agit dans ce colloque de prendre position dans les débats, défendant un camp au détriment de l'autre. Ce serait tentant. Parce qu'on pourrait en découdre, et puis en plus qu'on est plutôt entre nous, enfin, on aurait une émulation. Mais ce serait stérile. Parce que ça nous obligerait à nous installer dans le clivage. Et on n'est pas sûr de pouvoir en sortir, et donc on deviendrait des idéologues d'un autre camp, plus sympathique, mais des idéologues quand même. Soit, deuxième hypothèse, il s'agit de sortir du système idéologique en proposant une voie nouvelle. Et moi, je formule l'hypothèse que l'ISP possède en lui-même les ressources nécessaires pour ouvrir cette voie nouvelle qui va permettre de repenser la pédagogie de telle sorte qu'elle soit immunisée contre l'idéologie. Alors, je ne sais pas ce que... Ces ressources lui viennent d'une triple tradition. La première, une tradition universitaire. Dès le départ, l'ISP est née au sein d'une université. Et une université, c'est vraiment une tradition utile. Alors, le recteur l'a rappelé, mais je peux rajouter qu'au moins deux principes. Le premier, c'est que le premier principe universitaire, c'est l'université, c'est une communauté de chercheurs, tant maîtres qu'étudiants. Et deuxième principe de la tradition universitaire, c'est la méthode. Une méthode critique qui ne se satisfait jamais de ce qui semble évident. Et cela, cette communauté de chercheurs et cette méthode critique constituent une sorte de vaccin contre l'idéologie. Et j'aime beaucoup le fait que un des pères fondateurs de l'ISP, Jean Le Pichon, ait pu affirmer en 1969 ceci: la recherche n'est pas séparable de la formation initiale n'est pas séparable de la formation permanente, et la formation des agrégatifs n'est pas séparable de la formation des instituteurs. Oui. Ben moi, j'entends là un principe universitaire qui dit qu'on pense l'unité. On pense l'unité avant de penser les oppositions. Deuxième tradition, c'est sa tradition catholique. Par cette tradition, l'ISP peut vraiment penser l'éducation à partir de la notion de personne. Ça a été rappelé. Mais ça, c'est au cœur des principes de l'éducation catholique. Penser l'éducation à partir de la personne comme éducation ou formation intégrale, c'est-à-dire qui va veiller aussi bien à l'intégrité de la personne et à son intégration dans la communauté humaine. Et là aussi, vous voyez, on part du principe de ce qui est commun. Et puis une tradition qui fonde sur la notion de pédagogie divine le principe d'éducabilité absolue de toute personne et qui le rend donc non négociable, quel que soit les soubresauts politiques, quelles que soient les mutations culturelles, quels que soient les chambardements anthropologiques. Et troisièmement, il y a un patrimoine propre de l'ISP. Ce patrimoine propre, il est riche. Nous allons l'explorer ensemble pendant deux jours. Moi, je crois qu'il est riche parce qu'il s'agit avant tout d'un patrimoine humain. Un autre père fondateur qui malheureusement n'est pas là et je regrette beaucoup son absence, c'est Daniel Hamlin. Il écrivait en 1975 dans l'ouvrage qui fêtait le centenaire de l'ICP ceci: l'ISP n'est pas tant une organisation, encore moins une bureaucratie, pas une équipe non plus, mais l'ISP, c'est une rencontre d'hommes. Et de femmes, on dirait aujourd'hui. Que je vois Nicole Priou et Christine Rossignol devant. Là.
et de femmes. C'est une rencontre humaine, ça vous va comme ça. Ces ressources, il nous faut les mobiliser. Et pas simplement pour le plaisir de faire référence au passé, mais parce qu'il y a urgence. Parce que pendant que certains s'épuisent à défendre des idéologies périmées, le monde change. Et il change vite. Et je ne parle pas simplement des conditions sociales et techniques de l'apprentissage qui changent. Je ne parle pas seulement des défis du numérique ou du défi des mutations anthropologiques. Je vous parle également des conditions politiques et même géopolitiques de l'éducation qui changent. Vous avez peut-être entendu dire que l'humanité, hommes et femmes, sont en train de piller les ressources naturelles de la planète. Vous avez entendu parler des choses comme le développement durable, choses comme ça. Eh bien, pendant que, et parce que nous pillons les ressources naturelles de la planète, nous modifions les équilibres climatiques. Ce qui fait qu'il y a certaines parties du monde qui sont frappées très violemment par des phénomènes climatiques d'une violence inouïe, que d'autres en viennent à manquer des éléments fondamentaux qui permettent à un être humain de vivre à peu près dignement, comme de l'eau potable, par exemple, ou de l'eau tout court. Voilà. Et que donc se précisent dans un avenir proche des déplacements considérables de populations qui vont venir là où il y a de l'eau. Voilà. Et là où la moindre goutte de pluie ne détruit pas toutes les infrastructures civiles et militaires. Voilà. Il sera alors trop tard pour s'interroger comment les savoirs disponibles et comment là où les pédagogies pourront être mises en œuvre pour éduquer à l'empathie, à l'accueil et à la fraternité. Si nous ne nous posons pas aujourd'hui ces questions-là, alors notre seule solution, et certains la proposent déjà, ce sera de construire un mur autour de nous pour empêcher ces gens de venir chez nous. Mais peut-être que l'éducation peut être un levier pour l'humanité un peu différent. Et pour ne pas être totalement démunis face à ces changements et aux défis éducatifs qui nous imposent, nous devons reconstituer notre patrimoine. Et pour cela, il faut dépasser une vision linéaire du temps. Parce que selon la vision linéaire du temps, soit on se tourne vers notre passé, c'est-à-dire pour vous, par là, soit on se tourne vers notre avenir, c'est-à-dire par là, mais on ne peut pas faire les deux en même temps, sauf à être particulièrement divergent. Et donc l'opération que nous devons mener, elle requiert une vision intégrale du temps et de l'histoire, qui consiste à dire: notre avenir ne dépend que de la manière dont nous assumons notre passé aujourd'hui. Ou encore, c'est le regard que nous portons sur notre passé qui décide du type d'avenir que nous pourrons avoir. Je l'ai illustré à partir d'une formule: l'avenir d'un fleuve est à sa source. Dès qu'on m'a demandé de parler dans ce colloque, j'ai tout de suite pensé à cette phrase d'Éric de Luca. C'est au début de son ouvrage qui s'appelle « Et il dit ». C'est l'histoire de Moïse qui descend de la montagne avec ses fameuses tablettes non connectées, mais signifiantes quand même. Et il dit ceci: celui qui voit un fleuve regarde le sens dans lequel il coule, vers où il descend selon le courant. Mais l'avenir d'un fleuve est à sa source. Suivre le courant, c'est une logique de poisson mort, disait quelqu'un de mon entourage, mais regarder à la source, c'est aller chercher précisément des ressources nouvelles pour affronter le présent. Alors au nom de cette vision intégrale de l'histoire, je souhaite que l'ISP reconstitue son patrimoine, que l'ISP énonce les axes cardinaux de la tradition qui le constitue et confronte ces axes aux défis éducatifs contemporains. C'est ça les opérations qu'il va nous falloir faire en deux jours. Je suis particulièrement heureux que Madame le doyen honoraire Chantal Pézan ait accepté de nous accompagner tout particulièrement dans cette exploration en étant, je ne sais plus comment elle l'appelait dans le programme, mais moi j'appelais ça le fil rouge, la ligne directrice, notre boussole, voilà, commune. Je la remercie, ainsi que tous ceux qui ont accepté d'apporter leur contribution à ce colloque, de nous aider à déterminer quelle valeur pourrait-on accorder à la pédagogie, si tant est qu'on puisse parler de pédagogie au singulier, mais ça on verra. Quelle valeur accorder, disais-je, en termes de sens, en termes de fondement, mais aussi en termes de pratique, à la pédagogie de telle sorte qu'elle soit au service
de la promotion de la personne humaine et du bien commun. Je les remercie tous de nous aider à explorer le lien qui, dans le nom actuel ISP Faculté d'éducation, peut permettre d'articuler pédagogie et éducation afin d'en éprouver la fécondité. Et enfin, je vous remercie tous de votre présence, notamment les directeurs, directrices et doyens de l'ISP qui sont venus nombreux et que je suis heureux de voir ici. Bien sûr, les professeurs, les enseignants, les formateurs, mais aussi les bibliothécaires documentalistes et les assistantes pédagogiques de l'ISP, les étudiants, les anciens, il y a quelques alumni, les partenaires, les amis, les visiteurs. Voilà. Je vous souhaite à tous un très fructueux colloque. Merci, cher doyen. Donc, j'invite Britt Maribart de venir déjà, de pouvoir s'avancer. Ah ouais, c'est moi. D'accord. Non, mais j'ai dit ça, c'est moi, puisque je vais prendre la parole pour, comme vous l'avez entendu, Daniel Hamlin n'est pas avec nous. Donc, Monsieur le professeur Hamlin est souffrant et malgré tout, il nous a envoyé un texte pour pouvoir dire combien il est présent avec nous aujourd'hui. Donc c'est moi donc, qui vous allez essayer de penser que c'est Hamlin avec son accent. Eh bien, c'est le Suisse, mais bon, c'est bien Augustin Mutual qui parlera à la place d'Hamlin, qui est l'ancien directeur des études à l'Institut supérieur de pédagogie, qui a été le grand animateur de l'Université pédagogique d'été. Né en 1931, Hamlin est titulaire d'un doctorat lettres en 71. Il deviendra professeur à l'Université Paris-Dauphine de 1982 à 1997. Hamlin sera titulaire de la chaire universitaire de philosophie de l'éducation et professeur d'histoire des idées pédagogiques à l'Université de Genève. Il est cofondateur avec Mireille Sifali des archives de l'Institut Jean-Jacques Rousseau et du groupe de travail sur l'histoire de l'enseignement scolaire et de la pédagogie au sein de la Société suisse pour la recherche en éducation. Ses principaux ouvrages sont les objectifs pédagogiques en formation initiale, en formation continue. Je ne sais pas si on est en 9e, 10e ou 11e édition. Moi, j'ai acheté les derniers 9e édition. Du savoir et des hommes, contribution à l'analyse de l'intention d'instruire ou encore la liberté d'apprendre. Donc, comme je vous disais, sa santé ne lui permet pas d'être avec nous, mais il s'est employé à nous rédiger un texte en réponse à notre question. Voici la question. Quelles sont les valeurs fondatrices qui ont procédé à la création de l'ISP et à quels besoins répondait cette création? Et écoutons sa réponse. Hamlin qui commence. Il va de soi que je commence cette conférence par présenter des excuses pour n'être pas là. Et de ce fait décevoir certaines attentes, ce sera sans aucun doute une médiocre consolation pour les déçus que de m'entendre leur déclarer que je fais partie de leur contingent. Croyez bien, mesdames et messieurs, que je suis particulièrement et sincèrement navré de n'avoir pas pu faire de déplacement et participer à ces colloques in presentia. Je m'étais fait à l'idée de revenir à l'Institut supérieur de pédagogie. Et j'en éprouvais même quelques plaisirs. J'ai dit revenir. Ces verbes entraînent aussitôt dans le jeu des associations verbales son substantif et l'évocation du retour à. Est-ce au cours de mes 8 ans l'ISP que j'ai lu le chef d'œuvre d'Evelyn Vaux, Retour à Brideshead? Je ne sais plus. D'accord. Ah, je croyais faire vite comme Hamlin, donc c'est bon. Donc, je vais être lent. Merci.
Alors, si je lis comme Augustin, les gens vont dormir. Mais bon, je vais essayer. Ok. Trouver le juste milieu, concentrons-nous. Mais citer ce titre s'est situé tour et tour à, dans son ambiguïté, entre la musique légère des souvenirs errés et la marche toujours un peu funèbre des événements qui ponctuent ces passages. Retrouver des visages alors connus avec leur allure fatale des survivants, je les salue cordialement s'ils sont dans la salle. Évoquer avec eux ce que nous avons connu à l'ISP et qui sont morts, je n'en ferai pas l'appel, il serait assez long. Imaginez les liens que nous entamons ensemble, l'école Saint-Thomas d'Aquin, la rue Cassette, les quais aux Fleurs et la rue Chanonès, les collèges d'Antony où s'éteint l'université pédagogique d'été, mais il est assez vain de provoquer de la nostalgie alors que des retours dans ces endroits, nous n'aurions plus la moindre trace de notre propre esprit des lieux. La majorité des membres de l'ISP qui entendent la présente conférence me sont personnellement inconnus et je n'ai jamais franchi le seuil de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Néanmoins, l'Institut supérieur de pédagogie, ce sont ses collègues-là autant que nous et c'est l'ELIA autant que les nôtres, sinon plus. Et voici qu'ils nous font honneur de nous inviter à rendre visible la chaîne qui rattache leurs entreprises à celle que nous avons menée au siècle passé. Rendons leur grâce, même si nous avons des doutes sur notre capacité à leur rendre service. C'est un paradoxe, mesdames et messieurs, d'avoir apporté son témoignage pour quelqu'un qui a consacré une grande partie du déroulement genevois de sa carrière à traquer l'histoire par les témoignages en lui opposant sans méchanceté, certes, mais implacablement, l'histoire par les documents. Bien des récits des témoins de l'histoire de l'éducation nouvelle ont aussi, du fait de mes travaux, perdu de leur crédibilité. J'invite donc les historiens présents dans cet auditoire et tout autre auditeur avec eux à recevoir mes propos avec la réserve nécessaire face à quelqu'un qui ne peut pas ne pas sélectionner les souvenirs et pratiquer l'oubli comme un conscient moyen de défense. Je me centrerai sur une seule période de ma carrière à l'ISP, celle où les circonstances m'ont conduit à y exercer la fonction de directeur des études aux côtés de Jean Le Pichon, de 1969 à 1971, cité par les doyens François Mogg, enfin ça c'est moi qui m'ajoute, excusez-moi, deux ans qui sont parmi les plus intenses de ma vie et où j'ai pour la première fois éprouvé la sensation presque enivrante d'être le second d'un véritable patron. Nous avons ensemble défini la doctrine d'action qui pouvait faire éclater les aimables mais étouffantes barrières qui en seraient jusque-là ces très modestes instituts rattachés alors à la faculté de philosophie. J'en retrouve l'exposé dans la contribution qui m'avait été demandée pour les livres du centenaire à paraître. Cette doctrine tient en trois points. La recherche n'est pas séparable de la formation. La formation initiale n'est pas séparable de la formation permanente. La formation des agrégatifs n'est pas séparable de la formation des institutaires. J'ajoutais en 1975 qu'avec ces trois principes, il y a de quoi fomenter une révolution dans le monde cloisonné de l'enseignement, mais on n'a pas l'illusion de croire une révolution possible dans cet univers-là. Si on peut les faire bouger avant que les événements de nouveau ne les branlent, ce sera bien. Les Pichons se rendent compte qu'il faut tenir deux objectifs contradictoires. Garder l'initiative au point d'être ombragé sur la franchise universitaire doit donc bénéficier l'ISP. Coopérer activement et loyalement avec les instances dirigeantes de l'enseignement catholique, tant au plan national que régional. Un protocole d'accord est signé dès octobre 1969 qui consacre le rôle de l'ISP dans la formation des maîtres de l'enseignement catholique. L'université pédagogique d'été est créée dans le même esprit. Cette promotion de l'ISP accomplie par Jean Le Pichon ne va pas toute seule. L'enseignement catholique principal commanditaire de l'entreprise se réjouit de ces débordements d'initiatives dont il tire profit, mais en même temps on prend ombrage en haut lieu du fait qu'on ne peut pas totalement la contrôler.
Le rattachement de l'ISP à la section A de l'Institut catholique sera demandé par Jean Le Pichon au prix d'une moindre autonomie pour préserver cette capacité d'initiative en y faisant paraître la marque de l'Institut catholique lui-même. À cet égard, la collaboration avec Mgr Hoffmann fut assidue, confiante, totale. Après l'effervescence du printemps mai 1968, la demande de rénovation pédagogique dans tous les ordres de l'enseignement souffla comme une bourrasque. Beaucoup de regards se tournèrent vers l'Institut supérieur de pédagogie qui connut à partir de 1969, sous la direction de M. Jean Le Pichon, une expansion et un renouveau remarquable et remarqué. Trop remarqué probablement, car la rénovation pédagogique de l'enseignement catholique, au milieu d'espérances excessives ou de méfiances sans nuance, dans les tourbillons des théories antagonistes, allait devenir l'enjeu de sévères rivalités et les champs d'affrontement sans aménité. Mais Mgr Hoffmann accepta de consacrer des moyens importants à ce développement des sciences de l'éducation. Il était persuadé que c'était avant tout sur ce terrain que l'Institut catholique pouvait se montrer solidaire de l'enseignement catholique, primaire, secondaire et technique, et lui rendre des services que, depuis longtemps, l'établissement ne pouvait plus assurer dans le cadre des facultés des sciences et des lettres pour la formation des maîtres. Au moment où les activités de ces facultés connaissaient une imparable récession, le développement des prestations pédagogiques devait apporter un facteur salutaire de rééquilibration. Il reviendra aux historiens de l'enseignement de la pédagogie à l'Institut catholique de Paris de reprendre ses propos de Jean-Jacques Latour et les miens et de mesurer en particulier l'ampleur et le motif de la méfiance mutuelle entre le secrétariat général de l'enseignement catholique de l'Institut catholique de Paris, la présence à l'ISP à libérer des formateurs à la préputation gauchiste. L'étais-je en réalité Everne et Pévetot et n'est pas sans doute étrangère à ces difficultés. La politique universitaire de la formation qui s'est construite à l'ISP en 1969 repose sur des valeurs qui demeurent en grande partie implicites. Si l'on veut vraiment saisir ou s'expliciter ces valeurs, il convient de se référer aux écrits des membres de l'ISP, particulièrement aux articles éditoriaux de la revue Orientation que dirigent brillamment Pivetot et Verne. Mais il convient tout autant de cerner les contextes socioculturels au sein duquel se situe l'œuvre entreprise sous la direction de Jean Le Pichon. Trois donnes sont à prendre en compte: la domination intellectuelle du marxisme sur les sciences sociales et la philosophie en France, les événements de mai 68, le débarquement d'Ivan Illich. Le marxisme domine alors la pensée française. L'enseignement de la philosophie est dans bien des salles de cours la récitation du catéchisme marxiste selon Althusser. Le déclin de l'humanisme semble effectif. On sait, ainsi on ne peut que rapprocher pourquoi le professeur de Jean Gustloff, dernier grand plaidoyer humaniste pour la fonction professorale, et la reproduction de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron l'année d'après, où la fausse conscience des acteurs de l'éducation est démontrée, simple masque de leur fonction d'agent de la reproduction à l'identique de la société des classes et de ses habitudes sociaux. Les débats publics par ouvrage, articles et comptes rendus d'ouvrage entre Daniel Hamelin et Georges Snyder commencent dès 1968. Snyder n'a jamais été le porte-parole du Parti communiste, mais Snyder attribue désormais au seul marxisme la fierté d'affirmer selon lui, s'est targué jusque-là les catholiques. Les événements de mai 68 provoquent une déflagration culturelle dont celles, ceux qui les ont vécues, peuvent mesurer l'ampleur. Mais il ne faut surtout pas les séparer de la réaction d'un immense peuple des droites en juin. La densité des publications subséquentes est à la mesure de la prodigieuse production intellectuelle, créative et imaginative de la population étudiante dans les universités parisiennes, en particulier Nanterre où tout a commencé, Vincennes et la Sorbonne. Deux questions se posent dès 1969. Que faisait-il en avril? Comme le titre une enquête sociologique qui conclut qu'en avril, les événements de mai ne se découvraient pas d'un fil. Et seconde question,
Comment veilleront les acteurs, ils sont des centaines de milliers, de ces happenings gigantesques de la jeunesse intellectuelle? Ne prenons pas le seul Daniel Cohn-Bendit en exemple. C'est la destinée de milliers d'autres qui informent vraiment. Mais tout a bougé et même grandiloquente, la formule « rien ne sera plus comme avant » semble s'imposer comme une évidence. C'est oublier le grand défilé conservateur du mois suivant qui montre la nostalgie d'un retour et l'annonce d'une fracture durable de la société occidentale, car 1968 en Europe a été précédée de 1967 aux USA, qui fut encore plus désintégrateur, plus sanglant aussi. Et puis il y a le débarquement d'élites s'opère vers 1970 avec la publication d'une société sans école. L'ISP devient d'une certaine manière un des relais principaux de la pensée d'élite dans la francophonie. Didier Jacques Piveteau a été l'un des inspirateurs d'élite dans les entretiens de Cuernavaca et Étienne Verne s'en fait les porte-parole intelligents, combatifs mais intelligents. Même si je mesure la portée de la pensée d'élite, je ne partage pas les soutiens qu'il lui apporte. Et j'écris, même si je mesure la portée d'élite, donc il y a, voilà, je ne partage pas les soutiens qu'il lui apporte, donc il y a réaction dans la salle. Donc j'ai dit à Mline, tenez-vous tranquille. Et j'écris un article relativement critique dans la revue de la société Binet-Simon en 1972, mais la pensée d'élite apporte un contrepoids d'origine catholique progressiste à la volonté d'innovation qui anime l'ISP. Je ne retrouve pas les textes déclaratifs communs proclamant les valeurs sur lesquelles s'appuie l'ISP en 1969. Année de rénovation pédagogique, pédago-circus, groupe de parole, centre d'information sur les techniques d'enseignement, dirigé par Bernard Planck. J'y fais fonction de directeur des études à plein temps compte tenu de mon cours à la faculté de philosophie, alors que la plupart des collègues sont en temps partiel. Sur les valeurs des artisans de l'IPE, on se référera à la thèse d'Yvonne Léon, soutenue en Sorbonne et publiée en 1974 avec une préface de Dumas Zédier. Mais les trois principes énoncés à propos de l'épisodique direction de l'épichon ont une philosophie sous-jacente, dont je peux retrouver les fondements dans ma propre évolution intellectuelle de l'époque. Je pense y retrouver des valeurs communes au corps professoral de l'ISP de cette époque. 1. Recherche et formation. Les sciences de l'éducation ne se confondent pas avec la pédagogie. Il y a pédagogie dès qu'un agent d'éducation se pose la question « Qu'est-ce que je suis en train de fabriquer ?» D'où l'articulation entre recherche et formation et émergence du praticien comme acteur réflexif. Le modèle de la recherche qui s'impose est alors celui de la recherche-action. 2. Priorité à qui apprend. Apprendre vaut mieux qu'enseigner. La célèbre phrase de Carl Rogers est l'un de mes critères de vérification-falsification de la situation scolaire. Sa traction de « sur qui apprend l'élève au centre de la classe », la formule sera attribuée plus tard à la loi Jospin et vilipendée comme une démission devant l'enfant roi de la société de la consommation. Mais j'ai découvert plus tard qu'elle a déjà été prononcée à l'école normale de Berlin dans les années 1830, et cité par Octave Greya, vice-recteur de l'Académie de Paris, le premier institut de France, selon Gilles Ferry, à la fin du 19e siècle. En réalité, la formule rogérienne rejoint chez moi l'ISP vers 1969-1970, la position thomiste dans des magistraux que je connais à travers le soutien de Jacques Maritain à l'éducation nouvelle. Un enseignant ne peut pas enseigner s'il ne fait pas fond d'abord sur le travail développé par celui qui apprend et qui est en contact direct avec le maître intérieur, comme dit saint Augustin. D'où une conception qu'on dit gauchiste et adogmatique de la tradition, transmettre ce maître l'apprenant en rapport avec ce qu'il habite sans qu'il le sache clairement, socratique aussi, cette conception. Bien sûr, il y a altération, transmettre c'est modifier, mais cette modification ne peut être ni séduction, ni inculcation.
Notre expérience de la tentation dogmatique dans l'Église catholique des fois nous font adopter le slogan « convaincre sans inculquer ». On pourra certes nous faire les reproches de minimiser les valeurs de transmission qui sont d'emblée collectives par les liens au passé au profit d'un pseudo-surgissement individuel conforme aux dérives de la culture contemporaine. On peut répondre que de toute façon, se vouloir chrétien ne peut pas ne pas se vouloir transmettre une bonne nouvelle. Il va de soi qu'un chrétien est un transmetteur, mais il ne va pas de soi que cette transmission se pervertisse en imposition dogmatique que symbolise dans l'école le pouvoir. D'où mon intérêt pour le concept un temps rodérien de la non-directivité et la pratique correspondance de 1963 collaboration avec Marie-Joëlle Dardelin dans la liberté d'apprendre et la critique que nous faisons après dans la liberté d'apprendre situation 2. 3. Participer au débat sur lui-même. Dans les années 1972-1973, je pressens que j'ai ce que j'ai appelé à ce moment-là le retour de la didactique. C'est beaucoup plus tardivement que j'ai découvert la préoccupation de bien des éducateurs scolaires qui est une constante au 19e siècle, depuis évidemment Pestalozzi, la recherche de la méthode qui puisse universellement présider à toute entreprise didactique, quel qu'en soit l'objet. Des ouvrages ou des articles sur la pédagogie rationnelle jalonnent le 19e siècle. En 1972, je prends connaissance des travaux de Stone, universitaire britannique, et ne pratiquant pas les RIS, je lis avec une certaine régularité qui traduit en américain la littérature pédagogique soviétique. C'est grâce à ce travail personnel de recherche que je peux évaluer les espoirs susceptibles d'être fondés sur l'enseignement programmé, présenté dans les années 60 comme une sorte de panacée universelle et qui connaît dans les années 70, il est en Suisse actuellement, c'est pour ça qu'il dit 70, un véritable reflet. Bernard Planck, le directeur des cités intégrées à l'ISP, a déjà consacré un livre aux machines à enseigner. C'est plus tard à Genève que je rencontrerai la célèbre phrase de mon prédécesseur à l'Institut Jean-Jacques Rousseau, Robert Dautrent, « Il faut mécaniser l'instruction pour libéraliser l'éducation ». C'est aussi à Genève que je lirai « Pédagogie progressive » d'Albertine de Saussure, la cousine de Germain de Staël. C'est aussi à Genève que je me poserai cette question. Comment ne pas tenter alors de concevoir et d'expérimenter des façons de travailler qui puissent mettre ceux et celles qui apprennent à l'abri de cette médiocrité et des manœuvres malencontreuses qu'elle engendre. L'enseignement programmé est encore présenté par certains dans les années 1970-1973 du fait de son rapport étroit avec les préludes de ce qui sera l'informatique comme l'avenir même de la méthode. Je trouve à cette époque, chez Edgar Stones, l'application de la programmation et de ses développements individualisés avec itinéraires adaptés à chaque apprenant à un épisode de l'histoire britannique, les grands incendies de Londres. En même temps, le désenchantement à l'égard des machines à enseigner est déjà à l'œuvre. J'ai consacré entre 1970 et 1973 du temps à éclairer ce nouvel épisode du couple enchantement-désenchantement tel qu'il apparaît dans l'histoire de l'éducation sous le signe d'un bégaiement régulier de cette histoire. Tout recommençait à l'identique dans l'ignorance de ce qui a précédé et les nouveaux venus de tomber dans les mêmes errements sans savoir que les choses ont déjà été dites. En même temps, comparer les présupposés des Américains et des Soviétiques sur la question n'est pas sans nous instruire. Mes études et mon enseignement de psychologie m'ont fait travailler particulièrement l'œuvre de Skinner. J'ai même enseigné comme assistant d'Honoré Lesage à l'Université catholique à Angers le conditionnement opérant opposé au conditionnement pavlovien. Grâce à Stones, je découvre Vygotsky et ses continuateurs Leontiev, de même qu'Étalisiana. Et dans l'humanité et la foi chrétienne, je recueille tous les mélanges des enseignants de l'Institut catholique de Paris qui publient mon travail comparatif et ses conséquences pour les pratiques de l'enseignement.
J'avoue avoir apprécié ces moments, les paradoxes, que ce soit un institut de faculté de l'Institut catholique qui mette sur la table une documentation des réputations marxistes en montre les bien fondés face aux orientations américaines. Il fallait que l'ISP prenne les devants pour se poser en interlocuteur incontournable sur le fondement même de la pratique de l'enseignement. Il est vrai aussi que Vygotsky était une victime des purges staliniennes. 4. L'éducation dans son contexte sociétal. On connaît mon penchant pour la phrase du sociologue Jean-Claude Passeron, « Rien de ce qui advient dans l'amphithéâtre n'a sa résolution dans l'amphithéâtre. » Les lieux scolaires, comme tout lieu d'éducation, est traversé par ce qui se passe dans la société, par ce qu'il institue et la stratifie. Passeron écrit cette phrase dans un article consacré à la critique de la démocratie dans la classe et de l'erreur, selon lui, d'y voir un apprentissage de la démocratie dans la société. Je prends conscience de la nécessité d'adopter une vision sociologique quasi déterministe de ce qui se fabrique dans une classe. Peu de place pour l'initiative, en particulier l'initiative rebelle, sauf à créer un îlot protégé par un cordon sanitaire. Désespoir des militants novateurs, il faut être sociologue sans être sociologiste. Les agents sont aussi des acteurs et c'est Bourdieu lui-même qui ose l'affirmation. Je reviens à plusieurs reprises sur ces problèmes de l'initiative militante individuelle au cours de mon séjour à l'ISP et mon ouvrage de 1977, « Les domestiques et la franchie, essai sur la tutelle scolaire » regroupe des articles écrits à cette époque-là. 5. Instaurer l'action éducative au cœur de la contradiction vive. C'est au cours de mon séjour à l'ISP que je commence à développer et à faire admettre à mes collègues dans nos séminaires de formation mutuelle que loin de vouloir résoudre les contradictions par l'élimination... Je me calme. Que l'élimination révolutionnaire est l'un des facteurs, la pédagogie consiste à inscrire l'action au sein de la contradiction elle-même sans espoir de la supprimer. La vérité de toute situation pédagogique se situe toujours entre. Sur ce point, la thèse de Guy Avanzini, Immobilisme et innovation dans l'éducation scolaire est pour la pensée pédagogique un événement intellectuel majeur. Je le tiens pour tel à l'époque et je garde la même conviction aujourd'hui. La contradiction vive en éducation, j'en donne dès ce moment l'exemple qui va suivre et je l'ai repris souvent. On a bien appris ce que l'on a appris tout seul, dit Rogers. Tout autodidacte est un imposteur, dit Paul Ricoeur. Il convient de tenir les deux assertions pour vraies. La seule solution est de rendre leur contradiction vive, c'est-à-dire apte à être mise en œuvre. D'où la priorité de la route au beau milieu, méthodos. Les médiocrités y sont, certes, mais il faut tenir toujours la route entre les deux. Le milieu n'est pas un point central, mais le mouvement permanent, la tension entre les extrêmes. Mais la recherche du point d'équilibre métastable, tel que je l'ai entendu Gilbert Simondon en faire la théorie à la Sorbonne. Pour dire les choses en journaliste de qualité, nous n'aurons non point du tout quelque instable révolution, mais plutôt un changement petit et suffisant par une liberté et une résistance diffuse dont l'exemple ne s'est pas vu encore. Un changement petit et suffisant. C'est un idéal modeste, mais en apparence seulement. L'ISP en 1969 sait qu'il ne peut pas engendrer quelque instable révolution, mais qu'il peut participer à cette liberté et à cette résistance diffuse, dont l'exemple ne s'est pas vu encore. C'est peu, c'est beaucoup, mais quand on y songe, que reste-t-il de toute cette action, de toute cette réflexion des universités de l'été? Que reste-t-il de nos débats à l'ISP, de toute cette coopération entre les esprits si différents, parfois vigoureusement opposés, mais consacrés à la tâche commune? Que reste-t-il de la révolution numérique des années 90, permettez-moi de parler en suisse roman,
à qui certainement a bouleversé l'histoire. Que reste-t-il du changement de culture que les acteurs de mai 1968 ont cru effectuer, mais qu'ils ont manqué? Voilà qu'il s'opère grâce à la contrainte imparable des facteurs. Les technologies et leurs machines font-elles désormais la loi humaine? Les réseaux sociaux et les entrepreneurs invisibles qui engagent et manipulent l'information auront-ils cette fois, sans que personne ne l'ait voulu, raison des institutions dont la famille et l'école? En 1969, les machines à programme ne laissaient prévoir qu'une impossible généralisation. Les étudiants ne permettaient en rien de prédire les contraintes et les libertés du smartphone et du téléphone mobile. Le changement d'échelle est à ce point vertigineux que j'ai l'impression, terminant, que mon retour à l'ISP des années 60 du 20e siècle n'est plus pour vous qu'une visite d'un site préhistorique. C'est à votre colloque de dire ce qui peut encore vous profiter de cette expérience désormais renvoyée à sa relativité, à ses limites, à sa péremption. Comme le sera bien sûr la vôtre, ainsi vont la pensée et l'action des humains. Il n'y a lieu ni de s'en infliger, ni de s'en réjouir. Et la question, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis en train de fabriquer en tant que pédagogue, tel que je l'ai posé dans ma thèse en 1971, garde son actualité parce que qu'elle questionne encore. La pédagogie sert-elle encore à quelque chose? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que nous sommes en train de fabriquer? Je vous remercie. Nous pensons qu'après ces discours de Daniel Hamlin, ce discours philosophique, je pense que nous méritons une pause. Ouais, parce que c'est vraiment pour laisser le temps de pouvoir s'installer. Et puisque quand on écoute Daniel Hamlin, il faut mériter une pause. Donc nous allons prendre une pause. On va prendre une bonne pause. Non. On prendra la pause comme la pause. Donc là, la pause de ce qu'on avait prévu, puisque après Britt-Marie Barthes prendra la parole et il y aura une discussion avec la salle. Sinon, si on commence des petites pauses brèves, ça ne marche pas, je les connais. On connaît les gens, on va commencer à parler. Donc on va prendre une pause d'une demi-heure, donc 25 minutes et une demi de temps ici. Il y aura. Donc, oui. Attends, c'est trop ça. Oui. Non, le doyen m'a dit, faites une pause maintenant, 25, on va prendre. On prend une pause de 20 minutes, va de parler. On prend une pause de 20 minutes. Britt-Marie Barthes m'a dit 19 minutes. Donc, on prend une pause de 19 minutes et puis on se retrouve dans cette salle. Merci. Oui, je m'excuse vraiment.
Nous allons commencer tranquillement à nous installer. On va aller jusqu'à 12h30. Donc il n'y a pas. Donc nous allons être dans. Nous sommes dans les temps brits. Il n'y a pas. On commence dans des. Dans deux minutes, on commence. S'il vous plaît. On attend encore une minute parce que c'est dérangeant. D'accord. Bon, Britt me demande qu'on puisse attendre encore une minute. Si Britt demande une minute, c'est bien. Donc on attend. Est-ce que vous pouvez vous installer? Donc. En attendant que tout le monde s'installe, en saluant notre collègue Virginie Trémion, nous saluons tous nos collègues qui sont là, qui sont présents, comme l'a fait le doyen. Et donc, ça montre qu'il y a une véritable rencontre. Donc, bonjour à Virginie Trémion qui est partie pendant un temps s'occuper des bébés et qui nous revient en forme comme notre maître de conférence. Donc, j'introduis ce temps qui est dans la continuité des temps que vous venez de vivre avec Daniel Hamlin, dont il y a deux choses. Il faut savoir qu'il y aura, vous aurez un film tout à l'heure avec tous les intervenants où il y aura Daniel Hamlin, mais il y a aussi un film de Daniel Hamlin d'une demi-heure que vous aurez l'occasion de voir, puisque c'est un très beau film. Et surtout, il y aura les actes de ces colloques. Donc, on a tout ce qu'il faut. Et on m'a signalé aussi que des gens ont dit, oh, ben, vous commencez déjà, il n'y a plus de café. Bon, écoutez, il y a deux salles, je vis tout le monde, en fait, à la suite de notre doyen, s'est précipité vers la première salle, alors qu'il y a deux salles de café, donc, et il n'y avait plus de café, donc il y a deux salles pour le café, donc deux bibliothécaires et deux salles pour le café. Ne vous précipitez pas, il y a pour tout le monde. Britt Marie Barthes, oui. Bonjour. Britt Marie Barthes est professeure émérite à l'Institut supérieur de pédagogie de l'Institut catholique de Paris. Elle a été professeure invitée à l'université de Harvard en 1993 jusqu'à 1994,
à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve de 1999 à 2000 et à l'Université catholique de l'Ouest de 2003 à 2009. Ces travaux portent sur les processus enseignant-apprendre, notamment sur le rôle de l'enseignant dans la médiation socio-cognitive des apprentissages. On aura l'occasion d'en parler, enfin c'est elle qui en parlera. Elle est l'auteur de trois ouvrages, l'apprentissage de l'abstraction, célèbre ouvrage, les savoirs en construction, et puis son ouvrage actuel, élève, chercheur, enseignant, médiateur, donner du sens au savoir. Tous ses livres sont publiés aux éditions Retz à Paris et puis à Montréal. Ses écrits sont traduits, comme vous le savez, en 8 langues. Elle est actuellement impliquée dans des dispositifs de recherche et de formation des enseignants. Par ailleurs, elle est membre du conseil du troisième cycle à l'Institut supérieur de pédagogie. Donc, j'ai l'honneur de l'avoir avec moi. Partant de l'expérience du terrain, la réflexion sur le processus enseignant-apprendre est à l'origine de sa recherche. Ses travaux depuis 30 ans l'ont conduite à élaborer une approche pédagogique connue sous le nom de la construction du savoir, qui vise à engager les apprenants dans un processus de conceptualisation et d'élaboration du sens. Cette approche, à la fois pratique et théorique, cherche à prendre en compte dans sa globalité l'individu qui apprend, en situant l'apprentissage dans ses dimensions à la fois cognitives, affectives et sociales. Dans une vision éthique de la pédagogie, son but est d'outiller l'apprenant dans sa recherche de sens au cours des apprentissages scolaires. Elle vise également à rendre l'apprenant conscient de ses propres capacités intellectuelles, plus confiant et donc plus autonome dans ses apprentissages futurs. Donc, après cette plongée dans l'atmosphère des grands débats et orientation des politiques éducatives, philosophiques, psychologiques, sociologiques d'Hamelin, nous allons continuer dans cette danse de la grande histoire et du récit singulier en écoutant une grande figure pédagogique qui est partie du terrain pour construire son cadre théorique. Est-ce que j'ai fait bien les choses, Brigitte? Oui, merci Ça beaucoup. Ça va, et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Je m'excuse dès le départ de ma voix rouillée, mais j'espère que vous allez m'entendre. Chers amis et collègues et chers étudiants, je suis tout émue de tout à coup retrouver d'un seul coup les anciens collègues que je n'ai pas vus depuis des années, qui sont tous tout à coup là. Et je suis aussi très heureuse de voir les étudiants que je ne connais pas encore, parce que c'est à vous le futur. À moi, on m'a demandé de dire qu'est-ce que le P dans l'ISP pédagogique. Le P, c'est quoi? C'est ça qu'on m'avait demandé. Donc, je vais vous raconter un peu mon histoire de l'ISP. Quand je suis arrivée à l'ISP en 76, pourtant, c'est comme si c'était hier, Daniel Hamelin était encore présent. Je l'ai vu de temps en temps, bien qu'en poste ailleurs. À cette époque, il y avait les trois mousquetaires en collaboration pour élaborer une formation en pédagogie. Daniel Hamelin, Jacques Pifto et Étienne Verne, dont je salue la présence ici. C'est lui qui m'a fait venir à l'ISP. Et je suis heureuse de le voir là aujourd'hui. Les valeurs, je voulais dire autre chose. Que déjà à l'époque, la question de savoir si pour enseigner le latin à Jean, il fallait bien connaître Jean, ou bien connaître le latin, ou avoir une bonne relation avec Jean. Après le départ au Quai aux Fleurs, où l'ISP était installé, nous sommes arrivés au palais abbatial en 1978, pas 8, 18. Oui, c'est toujours un problème de micro. Ça va mieux comme ça? Bon, je vais essayer. Après le départ au Quai aux Fleurs, on est allé au palais abbatial en 78. Et en signe d'avant-garde, nous avions déjà un learning lab, bien qu'on ne l'appelait pas comme ça, mais on avait un studio au sous-sol qui est équipé pour filmer avec des grands rouleaux de film de 8000 mètres, très, très lourds, je me souviens encore. Et il y avait des caméras.
Ce que j'avais apprécié tout de suite, c'est qu'on prenait au sérieux, pas seulement toutes sortes de cadres théoriques, mais aussi les questions du terrain et les problèmes d'apprentissage. On nous faisait confiance et on nous donner les moyens pour avancer dans nos recherches. Par exemple, dès mon arrivée, le directeur de l'ISP à l'époque, Père Jean-Michel Dufalco, m'a trouvé une école pour mes premières expérimentations en classe et il est venu lui-même pour observer. Et plus tard, notre recteur, c'était Monseigneur Paul Guiberto à l'époque, nous rendait visite à l'ISP et encourageait un rapport concret au terrain et des vraies questions au terrain. Et dans le même sens, il était bien accepté de faire une recherche en collaboration avec les enseignants dans leur classe. Eux se formaient au contact de la recherche tout en nous aidant à identifier les vraies questions et les vrais problèmes dans l'apprentissage. Les réactions des enfants nous aidaient également. Et je me souviens de cette petite fille dans une classe de CM2 de l'enseignement spécialisé où l'objet d'étude était un mode de pensée, la comparaison. On devait apprendre comment on s'y prend pour comparer. Et ça, c'était dans le contexte de pouvoir écrire des rédactions. On voulait que les enfants apprennent à utiliser des outils de l'écrivain comme des analogies, des métaphores pour rendre leur texte plus intéressante. Et un jour, lors de cette expérience, elle vient de nous dire très sérieusement, mais comme c'est drôle, on compare partout. Et elle nous montrait qu'il était tout à fait possible de faire prendre conscience de cet outil de pensée pour ensuite l'utiliser, même pour des élèves à besoins particuliers. Cette classe l'a prouvé en composant ensemble une excellente rédaction intitulée « Je compare la vie au XVIe siècle et au XXe siècle ». Et pour la petite histoire, je peux vous dire que la classe a participé à un concours où il fallait donner que 2 rédactions par classe, mais la maîtresse ne l'avait pas vu, elle a donné 6 exemplaires. Et les 6 prix ont gagné les prix de notre classe et on était dans le journal et on était très fiers. C'est en partageant les expériences et les ressources qu'on peut avancer. Et cela fait partie de la recherche en pédagogie. Oui, je n'ai pas, vous pouvez imaginer que je n'ai pas tardé à me servir du studio au sous-sol pour y inviter des élèves et leurs enseignants et y filmer des leçons expérimentales. On se posait la question, que se passera-t-il si on met en œuvre tel scénario, un tel design conçu pour faire réfléchir les élèves? Ce processus nous obligeait à un aller-retour constant entre pratique et théorie, dans un souci de cohérence. L'avantage était de partir du problème réel en classe pour chercher un apport théorique cohérent, plutôt que d'appliquer une théorie sans savoir si vraiment c'est correspond au problème. L'arrivée des cassettes, ça c'était un grand progrès, parce qu'on pouvait les emmener pour faire des formations dans les écoles. Cette forme de recherche s'inscrit dans une perspective de recherche appelée « design research » promue par Anne Brown, qui était à l'époque à l'Université de Californie en Berkeley. Et cela fait partie de la recherche en pédagogie. Cette façon de procéder en partant des observations sur le terrain permettait de réfléchir également au choix des connaissances théoriques interdisciplinaires qui pouvaient nous aider à mieux éclairer les problématiques et qui pouvaient ensuite aussi être utiles dans la formation pour les enseignants. Ou chercher la réponse à des questions comme par exemple, comment rendre le savoir accessible à différents publics? Comment déterminer si les apprenants ont bien compris? Comment rendre la pensée visible? Par quels critères déterminer les niveaux de compréhension ou d'abstraction?
Au lieu de conclure que l'élève doit approfondir sa compréhension, quels outils est-ce qu'on pourrait lui proposer pour y arriver? Et comment faire en sorte que l'apprenant, pour développer une pensée créative, comment favoriser? Et pareil, bon soin pour les compétences stratégiques et pour les compétences sociales. Quelles stratégies sont nécessaires pour favoriser l'entraide, la communication, l'argumentation et l'écoute? Par quels moyens contourner une situation d'handicap ou déjà la reconnaître et tenter de la penser en termes d'accessibilité? Comment mieux comprendre les facteurs qui creusent les inégalités sociales? Et quelle posture pour créer la confiance? Je pense que ces champs de questions sont toujours d'actualité aujourd'hui, peut-être même encore plus, même si la scène a changé et que les réponses évoluent. Ces genres de questions permettent de concevoir la pédagogie comme une pratique contextualisée, un faire qui se nourrit d'un cadre cohérent à la fois théorique et philosophique. À l'ISP, l'esprit interactif et inspirant des trois mousquetaires était resté dans l'équipe dans laquelle je me suis insérée par la suite, avec trois collègues. Laurent Cornas, philosophe, avec un intérêt poussé pour la psychanalyse lacanienne. Patrick Tapernaud, sociologue, avec un intérêt pour le lien social. Et Gérard Lurol, philosophe, avec un intérêt particulier pour Emmanuel Mounier et la jeunesse de la personne. Et moi, c'était la pédagogie, avec un intérêt particulier pour le lien entre le cognitif et l'affectif. Déjà, ma grand-mère savait qu'il y avait un lien, mais il fallait, avec le temps, essayer de montrer ça plus clairement. En 1989, un colloque international a eu lieu à Paris, organisé par l'OCDE, où j'ai été invitée. Il était intitulé « Apprendre à penser, penser pour apprendre ». Et l'intérêt mondial pour la formation intellectuelle se confirme et permettait de créer des liens entre chercheurs dans le monde entier qui s'étaient intéressés pour ces mêmes questions. Et ensuite, on pouvait les inviter ici. On a eu beaucoup de monde pour inspirer les étudiants, pour rencontrer les personnalités qui s'intéressaient à nos questions. Je voudrais ici rendre hommage à Laurent Cornas, qui nous a quittés il y a un an et demi. Un pilier de notre équipe et un ami. Ensemble, avec les directeurs et les doyens qui se succédaient, et je salue ici la présence de Bernadette Aumont, où est-ce qu'elle est? Ah voilà, elle est là. Et Albert Moine, qui est là, et Chantal Pesan, dans l'ordre chronologique de leur arrivée. Et ensemble, nous avons créé un premier vivier et conçu les premiers cursus universitaires, d'abord en licence, ensuite en maîtrise et en thèse, et qui fut plus tard officialisé en sciences de l'éducation. Nous avions chacun un champ disciplinaire propre pour entrer dans les questions communes qui nous préoccupaient. Chacun apportait sa pierre, en élaborant ce programme, mais en faisant attention à les contextualiser par rapport à la pratique pédagogique. De temps en temps, pour aider les étudiants à faire des liens entre les différents contenus, nous avons tenu des séminaires communs avec eux pour élucider une même question pédagogique à partir de nos différentes compétences. Et dans cet esprit, un modeste labo a vu le jour, c'était le LARDESCO, le Laboratoire pour la Recherche et le Développement Sociocognitif, qui était dans cet esprit, je pouvais réunir mes étudiants qui travaillaient dans le même domaine pour travailler ensemble pour les mémoires de maîtrise et plus tard de thèse. Et LARDESCO, bien que n'étant plus officiel, fonctionne toujours. Quel héritage pour les nouveaux défis?
L'histoire de la pédagogie à l'ISP depuis les années 70, telle que je l'ai même moi-même vécue, est une histoire passionnante dans un temps avec beaucoup de mutations, des mutations profondes. Pour ma part, dans ce temps bref, je peux seulement rendre compte de mon vécu, sachant que d'autres voix vont s'exprimer dans les deux journées. Les révolutions se sont succédées. À côté de la révolution numérique émergente, la révolution sociétale et culturelle en cours, il y avait la révolution cognitive en marche depuis la fin des années 50. Cette nouvelle science de l'esprit qui a changé notre regard sur le processus d'apprentissage cherchait à comprendre comment l'esprit, the mind, fonctionne. Dans la continuité de John Dewey et de Lev Simonovitch Vygotsky, Jérôme Brunner, l'un des précurseurs de ce changement de paradigme, système de compréhension dans le terme de Thomas Kuhn, il est aujourd'hui l'un des grands penseurs de l'éducation. Et j'ai eu l'immense privilège de l'avoir pour mentor et ami pendant 35 ans, jusqu'au dernier jour, le 5 mai, juin dernier, où Jérôme Brunner est décédé à 100 ans et 8 mois, toujours avec le même enthousiasme, le même vif esprit pour la pédagogie. C'était quelqu'un d'engagé et qui vraiment s'intéressait à l'éducation. C'est la rencontre, oui, vous le voyez là, c'est la rencontre avec son œuvre d'abord et avec sa personne ensuite qui a marqué mon parcours. Il nous a fait l'amitié de venir chez nous. Ici, vous le voyez en train de faire un discours chez nous. Et le soir, on a été reçu par le recteur Valdrini à un élégant dîner où vous voyez Chantal descend à gauche. Vous voyez Laurent Cornas. Vous vous souvenez, Chantal? C'était les grands moments. Un thème domine l'œuvre de Jérôme Brunner, la quête de sens. Nous lui donnons des concepts comme par exemple perception sélective, mode de pensée culturel, étayage, intersubjectivité, attention conjointe, activité conjointe, élaboration de sens, métacognition, capacité à agir. Je me souviens dans mon premier livre, quand j'ai introduit les mots métacognition, on m'a accusé d'utiliser des mots barbares. Mais ce mot est rentré dans le vocabulaire courant. C'est de Jérôme Brunner que j'ai hérité mes questions de recherche qui concernent la façon dont la pédagogie peut aider les apprenants à donner du sens au savoir et également à leur expérience scolaire. Je choisis ici de le proposer comme représentant de la psychologie cognitive telle qu'elle évolue aujourd'hui et se prolonge dans les sciences cognitives. L'œuvre de Brunner est abondante. On pourrait la comparer à une œuvre musicale dont le thème dominant, la quête de sens, revient en variations multiples tout le long de ses 80 ans de carrière. Ce thème décrit l'individu comme participant activement dans la construction de son savoir. L'enfant est considéré comme un chercheur de structure qui s'efforce de comprendre comment les choses du monde sont reliées entre elles. Il y est prédisposé par l'évolution phylogénétique, l'évolution des organismes vivants. Et il est né pour apprendre et possède à la naissance tout le potentiel nécessaire pour apprendre. Mais il a besoin de l'interaction avec les membres de sa culture qui l'aideront à découvrir, à se servir de ces outils de tout genre qui se trouvent dans sa culture. Il apprend à parler pour communiquer avec son entourage, mais le langage lui servira aussi pour structurer sa pensée et en prendre conscience. Ses expériences et leur encodage lui permettront d'organiser le monde et de se le représenter sous forme de modèles ou de structures intérieures. C'est ainsi que ses connaissances seront condensées et organisées.
C'est à partir de cette structure, c'est cognitive, à partir de ce qu'il sait déjà, qu'il pourra continuer par analogie à construire son savoir, mais toujours aidé par le milieu qui l'entoure. Et c'est la fonction de cet milieu qui l'entoure, de cette culture, dans le sens large de Brunner, de lui servir d'étayage, scaffolding, dans le terme de Brunner. La culture environnante, dont l'école est l'un des acteurs principaux, pas le seul évidemment, joue un rôle essentiel pour former l'individu qui est en constante interaction avec elle. Les outils culturels, notamment le langage, comme les modes de pensée, les concepts disciplinaires, les divers supports matériels, vont influencer sa croissance intellectuelle et sa capacité d'agir de façon autonome. C'est aussi de l'attitude, la posture des membres de cette culture que va dépendre l'intention d'apprendre. L'intention, émotion et cognition vont ensemble. La construction est également une construction de soi. C'est une soi possible qui régule l'espoir, la confiance, l'optimisme et leur contraire. Brunner soutient qu'on ne peut rendre compte pleinement de la manière pertinente des actions humaines en partant de l'intérieur, en ne faisant référence qu'aux dispositions intrapsychiques, aux traits de caractère, aux capacités d'apprentissage, aux motivations, etc. Pour être expliquée, l'action doit être située. Et il continue avec « car c'est la culture qui donne forme à l'esprit ». Cette conception de l'apprentissage, qui est très différente de celle qui régnait dans les classes que j'ai observées dans les années 70, est à l'origine de mes premières expérimentations. Celles-ci ont consisté à mettre en œuvre des scénarios, ou des designs si vous voulez, conçus pour rompre avec l'enseignement strictement magistral, afin d'engager les apprenants dans un processus de co-construction de sens. Par la suite, j'ai essayé de formaliser cette vision à travers une approche pédagogique qui met l'accent sur la médiation socio-cognitive des apprentissages, exposée et illustrée dans mes trois livres. Et cela fait 30 ans cette année que le premier est sorti, l'apprentissage de l'abstraction. Il avait à l'époque un sous-titre, méthode pour améliorer l'apprentissage de l'école. Et je me souviens que l'éditeur m'a dit, vous avec votre origine étrangère, peut-être vous ne connaissez pas bien la grammaire, mais il faut dire à l'école. Et je dis, non, je ne voulais pas dire à l'école, je voulais dire de l'école. C'était bien l'école qui devait changer. Remplacer l'apprentissage, oui. Il fallait changer de métaphore. Remplacer la transmission par la transaction pour viser la transformation. Et ce travail est toujours en cours aujourd'hui. En quoi l'héritage de cette révolution cognitive, vu comme un cadre théorique unificateur, peut-il être utile face aux défis comme le numérique, la prise en compte des difficultés scolaires, de l'éducation inclusive et les décrochages? Un premier défi consiste à porter un autre regard sur l'élève qui apprend. Nous vivons aujourd'hui une mutation technologique et sociétale à nul autre pareil. Une révolution portée par le numérique, la culture multimédia. C'est un monde d'hyperinformation. N'importe quelle donnée semble accessible par un clic, mais aussi de la désinformation et l'information manipulée. Et dans une société qui traverse de profonds changements, les élèves ont également changé. Qui sont-ils? D'abord, ils sont plus nombreux. Vu la démocratisation de l'école.
et de l'université. Et les classes sont plus hétérogènes, encore plus, conformément à la loi de 2005 pour l'inclusion. Les élèves ne viennent plus à l'école avec les mêmes attentes. Ça, il faut effectivement le savoir. Ils sont inévitablement influencés dès leur plus jeunesse par cette cyberculture et l'école ne peut plus ignorer ce fait. Issus de la génération Y, appelés les Digital Natives, ils sont très compétents pour utiliser les nouvelles technologies. Ils sont plus compétents que nous, plus rapides que les professeurs. Ils font du parallel processing, ils zappent d'une information à l'autre. Mais leur capacité à se concentrer et approfondir un sujet peut en souffrir. Les neurosciences confirment aujourd'hui cette observation. Ils ont l'habitude d'être en constante communication avec le monde grâce aux réseaux sociaux. Ils communiquent au-delà des frontières, ils ont accès à des mondes virtuels, ils sont ouverts au monde et sensibles aux problèmes sociaux et écologiques de la planète. Ils aiment bien jouer à des jeux qui offrent un certain défi et les invitent à s'y engager. Au fond, ils ressemblent assez bien à l'enfant qui est décrit chez Jérôme Bronner. Mais on ne sait pas trop ce qu'ils ont appris. Un deuxième défi consiste à porter un autre regard sur le savoir en construction, plutôt que de percevoir le savoir comme une unité statique, une réponse à une question. Il convient de concevoir le savoir comme un processus dynamique situé dans un contexte. Connaître est un processus et non un produit, nous rappelle Jérôme Bronner. Le savoir en construction devient une recherche commune, un processus de dialogue et de confrontation. Le sens n'est pas un déchala. Il s'élabore dans l'espace même de l'action et du dialogue. Il est né de l'échange, il est culturel. Apprendre ensemble est donc une nécessité. L'action du sujet n'est pas suffisante en elle-même. Elle doit être médiatisée, guidée, pour pouvoir produire des transformations conceptuelles chez les apprenants. Cette médiation leur offre un cadre pour interpréter leurs expériences, tout en leur laissant une place pour participer à une activité commune. Ce thème de savoir en construction est le sujet de mon deuxième livre, qui est publié en 1993. Il fallait beaucoup de temps entre chaque livre. Notre conception de l'apprentissage comme étant individuel est donc finalement en train de changer, et encore. L'apprenant n'est pas un récipient qu'il faut remplir, ni une éponge qui absorbe. Il apprend en interaction avec les autres, mais également, c'est tout aussi important, avec les supports de tout genre qu'il trouve dans son environnement, sa culture. Ça pose la question de savoir quelle structure d'interaction, quelles ressources nous offrons aux apprenants, à l'école comme à l'université, pour les aider avec leur savoir en construction. Avec qui et avec quoi nos élèves vont-ils penser ? Ça sont des questions pédagogiques. Écoutons encore Jérôme Bronner. Toute pratique éducative qui se propose d'accroître la puissance de l'esprit doit mettre au centre de son activité de penser l'acte de penser. Ce n'est plus l'enfant individuel qui est au centre, mais la façon d'apprendre et de penser ensemble, dans un but précis, comprendre, élaborer une signification, donner du sens. Ce cadre théorique est fécond pour penser les interactions sociales et sémiotiques à l'école et à l'université et invite l'enseignant à revisiter son rôle, sa conception du savoir et la façon dont il soutient et outille les élèves pour qu'ils puissent donner sens au savoir disciplinaire. Le rôle de l'enseignant ou du formateur à l'université également
devient plus complexe. Il devient un médiateur entre les élèves et ce que l'école souhaite leur transmettre. Celui qui rend accessible la boîte à outils dont dispose une culture, un toolkit dans le sens de Bronner. Et ce schéma donne une alternative au triangle pédagogique. Vous voyez les apprenants en interaction avec la culture, tout ce qu'il y a dans la culture, que ce soit les savoirs, on pourrait dire les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, pour faire vite, mais tout ce qu'une culture a à transmettre à ses élèves, comment les mettre en contact, et l'idée d'avoir la médiation entre les deux. Au lieu d'exposer son savoir disciplinaire, l'enseignant va s'en servir pour engager les élèves dans des activités qui se permettent de familiariser et de s'approprier le contenu. En même temps, et écoutez bien, je vais faire une liste. Donc, en même temps qu'on apprend un contenu, progressivement, ils doivent apprendre à exercer une pensée critique, à exprimer une opinion fondée, à poser une question, à juger de la pertinence d'une information, à écouter les arguments d'autrui, à contre-argumenter, à conceptualiser, à communiquer avec les autres, à coopérer, à fonctionner en équipe. Toutes ces compétences transdisciplinaires, cognitives, relationnelles et sociales sont bien valorisées aujourd'hui. Mais encore, faut-il se donner les moyens, y compris le temps, pour parvenir de les cultiver simultanément. Apprendre devient apprendre à se servir avec autrui des outils qui permettent l'accès au savoir et en même temps l'accès à un fonctionnement cognitif plus complexe qui n'est pas inné. Le plus important, c'est peut-être qu'un certain goût d'apprendre se développe. Ça devient beaucoup plus intéressant quand on travaille avec tout ça en même temps. Ainsi qu'un autre rapport à l'apprentissage, une autre confiance en ses propres capacités d'apprendre. On peut alors dire, en se référant à Vygotsky, que le bon enseignement est celui qui précède le développement. Ce qui nous donne beaucoup de responsabilités à nous, les enseignants. Dans cette perspective, enseigner, c'est d'abord identifier les outils communs dont les élèves auront besoin pour le nouvel apprentissage, la nouvelle construction qu'ils vont créer. C'est créer l'intersubjectivité qui vise à instaurer la confiance en s'assurant que les attentes mutuelles soient bien comprises par tous. Et je dis bien mutuelles parce que souvent les contrats, c'est dire ce que l'élève doit faire, ce qu'on attend de lui. Mais un contrat d'intersubjectivité consiste aussi à donner aux élèves l'idée de comment l'enseignant va être utile à eux, comment il va les aider. Il faut installer la confiance et la sécurité. C'est donc instaurer la confiance, c'est concevoir des scénarios qui, grâce à cet aller-retour entre dialogue et situation concrète, permettent aux élèves de co-construire le sens et de participer, je dirais même contribuer à l'évolution du processus enseigner-apprendre. En travaillant avec les élèves de cette façon, leurs réactions sont toujours très positives. Et je pense à ce jeune garçon dans une classe ZEP, son éducation prioritaire dans le temps, qui est venu me dire « Vous savez, madame, si c'est comme ça que ça marche, on pourra aider les profs. » Et je pense que c'est vrai. La relation change. On devient partenaire pour réussir un même projet, développer les potentialités de chaque élève ou étudiant. C'est l'émancipation de l'individu qui est au cœur de ces questions. Et ça aussi, c'est une question pédagogique. La première réaction des enseignants était plutôt de dire que cela prendrait trop de temps, qu'il y a le programme. Mais justement, un problème à l'école est de ne pas donner du temps pour apprendre. On passe trop vite de l'explication à l'évaluation. C'est plus rapide de passer par un stimulus-réponse.
Cela dit, dans les programmes aujourd'hui, on trouve des nouvelles compétences comme comprendre, apprendre l'abstraction, coopérer, qui deviennent des objets d'apprentissage. Mais encore faut-il, pour que les élèves les intègrent, il faut les définir comme des concepts à part entière, il faut les rendre observables. Cela fait partie de la pédagogie. Je reviens à la question de savoir en quoi cet héritage de la révolution cognitive est fécond face aux défis actuels, comme l'utilisation du numérique, la prise en compte des difficultés scolaires, de l'inclusion, des décrochages, liés à un sentiment d'impuissance apprise. Cette notion impuissance apprise, convaincu de son impuissance, l'individu subit passivement son échec. Il ne cherche plus à comprendre, il ne cherche plus à apprendre, et l'école n'arrive plus à les garder. Déjà dans mon premier livre, j'avais attiré l'attention sur cette idée de l'impuissance apprise qui peut arriver aussi à tout un groupe. Et surtout, quand les enfants sont très jeunes, il est vraiment important que ça ne va pas leur arriver. Ces défis sont les nôtres, et surtout les vôtres, futurs enseignants, en tant que bénéficiaires des acquis de cette révolution cognitive. La révolution numérique est sans doute ce qui est perçu par beaucoup d'enseignants aujourd'hui comme un concurrent de la pédagogie. Elle induit un rapport nouveau à l'autorité, à savoir et l'apprentissage. Élèves et professeurs ont accès aux mêmes informations. C'est une situation inédite. Face aux défis aujourd'hui, en quoi la révolution cognitive peut-elle guider cette révolution numérique? Je vais brièvement évoquer trois éclairages que j'ai développés ailleurs. Tout d'abord, le numérique permet d'enrichir l'environnement d'apprentissage. Pour construire le sens d'une idée abstraite, un concept, les élèves ont besoin de supports concrets. Ils ont besoin de faire cet aller-retour rapproché entre les mots abstraits, l'explication, et le savoir mis en action, l'exemple. Et ces diverses expériences ou exemples permettent de les comparer, de les concilier, de les relier. La comparaison est au cœur de la pensée créative et rationnelle. La comparaison est au cœur de la pensée tout court. Elle permet de structurer. La variété des illustrations rendues accessibles par le numérique peut ouvrir les regards, permettre à un plus grand nombre d'élèves de se connecter et de comprendre ce qu'ils apprennent. Et les observations proposées conduisent chacun à participer à un dialogue où l'on profite de la diversité pour faire évoluer la compréhension de tous. Deuxièmement, les outils numériques, des graphiques, des schémas, des vidéos, des applications nombreuses, permettent plus facilement aux élèves de produire eux-mêmes des travaux dans le cadre de quelques projets thématiques dans la classe, en laissant à chacun la possibilité de créer une œuvre dans le cadre de cette démarche. Une communauté d'apprenants peut se créer qui favorise le processus créatif, qui tient compte de la diversité des étudiants et qui engendre un enrichissement mutuel. Je pourrais vous donner plein d'exemples, on n'a pas le temps, mais quand j'étais au Québec, mes anciens étudiants ont créé un réseau pour les enseignants en français. Et là, il y a la twittérature et les twictés qui fleurissent, où les enfants sont motivés à travailler la langue comme un matériau sur lequel on a vraiment une emprise. La pensée fait son chemin au travers de ses productions, nous rappelle Bronner. Et les outils numériques peuvent aussi être des outils de contournement de la situation de handicap. Ils permettent d'aller au cœur des apprentissages, penser, réfléchir, sans surcharger momentanément les coûts cognitifs qui pourraient représenter la nécessité d'écrire manuellement, de lire ou de tracer ou de dessiner. Troisièmement, le numérique facilite le bon soin de personnaliser et de varier les parcours d'apprentissage en fonction de bons soins constatés. Dans ce même temps, une même classe, un même cours, on peut choisir des activités différenciées
proposer des tutorats entre élèves forts et faibles autour de cet exercice, ou grouper ensemble les élèves avec les difficultés similaires pour travailler avec le maître, ou mettre l'évaluation formatrice sous forme des exercices corrigés au service des apprentissages. On peut donner le temps aux élèves à approfondir les connaissances à leur rythme. L'important est d'offrir des choix qui correspondent aux bons soins des uns et des autres, et ceci en fonction du transfert visé. Et dans un tel contexte, l'enseignant joue évidemment un rôle essentiel. C'est lui qui va mettre en place et solliciter une culture apprenante qui stimule et soutient les interactions et qui s'ajuste à la diversité des élèves et qui va offrir des médiations nécessaires pour que chacun puisse s'engager et trouver un soutien dont il a besoin. Il n'est pas question de remplacer l'enseignant, mais son rôle change. On est en effet passé de la transmission à la transaction pour viser la transformation. Quelle est la valeur ajoutée? Ce que nous avons appris de la révolution cognitive peut aussi nous aider à mieux appréhender et apprivoiser la révolution numérique, à mieux réaliser que c'est l'usage éclairé et critique qui détermine la valeur ajoutée en fonction du contexte visé. Comprendre le problème qui se pose pour un élève et choisir une stratégie pédagogique et des ressources cohérentes pour les résoudre. Voilà ce qui fait partie de la compétence pédagogique, qui sont très complexes. Je viens à ma conclusion. Il est maintenant de plus en plus clair que l'éducation ne saurait se résumer uniquement aux éléments strictement disciplinaires. Le programme d'une école, dit Jérôme Bonheur, c'est l'école elle-même. Il y a aujourd'hui une grande pression sur l'école et les enseignants. Les comparaisons internationales des résultats des systèmes scolaires, comme PISA et TIMSS, augmentent la demande d'innover pour faire face aux défis nouveaux qui se posent pas seulement en France, mais à la planète entière. Les attentes sur l'école n'ont jamais été aussi fortes. Et en même temps, l'école se fait... en même temps, la capacité de l'école de les satisfaire se voit contestée. Pour affronter les défis nouveaux qui se posent à notre système scolaire, on demande à l'école et à l'université de se réinventer. Quelle devrait être la priorité? Pour moi, la réponse est claire. Il faudrait redonner sens et cohérence à la formation des enseignants. Mieux penser la formation initiale et continue, mieux outiller les enseignants, mieux les soutenir et surtout mieux les valoriser et les encourager. C'est leurs efforts qui déterminent la façon dont les nouvelles générations vont être capables de faire face aux problèmes nouveaux. C'est pourquoi le défi de défi devient la formation des enseignants en posant un regard critique sur la manière dont elle fonctionne aujourd'hui. La société a changé. Les élèves ont d'autres attentes vis-à-vis de l'école et de l'université. L'accès au savoir n'est plus le même. Les ressources se sont multipliées. Les cadres théoriques évoluent. Ce qu'on attend des élèves en termes de compétences devient de plus en plus complexe. Le métier d'enseignant est devenu plus complexe. En conséquence, de nouvelles pertinences en termes de contenu, comme de nouvelles modalités pédagogiques, peuvent et doivent être construites. C'est ce qu'Edgar Morin, qui est également venu dans notre séminaire dans le temps, c'est ce que lui, il appelle une connaissance pertinente. Elle est pertinente si elle sait se situer dans son contexte et au-delà dans l'ensemble auquel elle est rattachée. Il continue. L'enseignement de connaissances pertinentes doit être tout d'abord une initiation à la contextualisation. Il doit consister à relier la connaissance abstraite à son référent concret. La connaissance abstraite est nécessaire.
Mais elle est mutilée si elle n'est pas accompagnée de connaissances concrètes. Les étudiants en formation, comme les élèves à l'école, ont besoin d'un enseignant médiateur, un pédagogue qui leur offre des ressources pertinentes et un cadre pour interpréter leurs expériences, pour relier les connaissances, tout en leur laissant une place pour participer, voire contribuer à la construction de leur savoir. Les futurs enseignants ont également besoin d'exemples incarnés de ce qu'on attend d'eux en tant que pédagogues quand eux, ils vont avoir leur classe devant eux. C'est leur propre expérience, leur vécu qui vont reproduire. Il faudrait que ce vécu permette de donner sens à la pédagogie. Ce sont les expériences, le vécu qui nous marquent et pas nos discours. On ne devrait pas séparer la formation et les cours universitaires, la pédagogie et la didactique, le cœur et la raison, comme s'il s'agissait de deux voies parallèles. Le cadre institutionnel a changé. Les défis ne sont plus les mêmes. Mais il faudrait essayer de maintenir l'esprit unifiant qui était à l'origine à l'ISP, qui lui donnait son âme. Maintenir également la tradition de travailler ensemble vers un but commun et de créer ici une communauté des chercheurs, enseignants, élèves, tout le monde, formateurs, une communauté où le partage de savoir, de compétences et de ressources favorise la solidarité, le respect mutuel et un sens de responsabilité commune pour créer l'identité propre de l'IS Pédagogie, un lieu où le mot pédagogie prend tout son sens. Le défi est sans doute de construire une nouvelle culture à l'école comme à l'université. Une culture apprenante qui donne sens au savoir et aux apprentissages, qui prépare mieux les apprenants, élèves ou étudiants, à la capacité d'agir dans un avenir incertain. C'est ce que la pédagogie, dans son sens profond, peut apporter. Ainsi, pourra-t-on mieux répondre à la vision d'Albert Einstein ? Apprendre n'est pas un devoir, mais plutôt une opportunité enviable de prendre conscience de la force libératoire de la connaissance pour l'enrichissement de sa propre vie, mais aussi pour la société à laquelle on va appartenir. Avec ces mots, je vous remercie pour votre attention. Merci de votre écoute. Et maintenant, ce sera à vous. Merci, Britt. Donc, nous allons essayer de vraiment de tenir les temps. Donc, pour tenir les temps, il y aura les questions dans la salle. Mais vous savez que cet après-midi, il y a un film. Et puis, il y a des personnes qui sont dans la salle, donc, parce qu'on veut que l'après-midi, ça bouge, ça discute. Donc, il y aura des personnes, j'avais vu déjà les mains se lever, qu'est-ce qu'on a dit là, est-ce que c'était bon pour moi ou pas. Donc, on pourra dire des choses. Et Britt aura encore à réagir comme témoin cet après-midi. Nous, même s'il n'est pas dans le film, nous aurons à l'interpeller. Vous laissez la parole donc pendant une dizaine de minutes. Qui prend la parole en premier dans la salle, en saluant bien sûr les L3. Ah oui, c'est pour un cours de la philosophie de la personne. Ouais. Qui prend après Britt, parce que c'est toujours difficile. Bergman. Ah, c'est ma signature. Ça, c'était comment les classes étaient. C'est ça que je voulais. Je voulais faire autre chose que d'être là. Vous savez, on parle, on fait l'hypothèse que tout le monde entend ce que vous dites. Et en plus, on fait l'hypothèse que tout le monde pense, comprenne la même chose.
Mais la réalité, c'est plus proche de ça. On est là, on fait un bon discours, mais finalement, c'est pas la clarté, c'est pas la clarté du discours qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est ce qui arrive dans la tête des autres. Et tu vois, c'était plutôt comme ça à mon temps. On pensait que les élèves avaient bien compris, mais chacun partait avec, avec son idée. Et ça, on ne peut pas leur permettre de faire ça si en même temps, on a une évaluation qui demande que tout le monde doit avoir compris la même chose. On ne peut pas laisser chacun partir avec son idée. Il peut le faire, mais il faut qu'il connaisse également l'été officiel. Donc ça, c'était un peu la signature de mon deuxième livre, Le savoir en construction. Est-ce que ça te va comme réponse? Oui, moi je voyais aussi là l'apprentissage de l'abstraction. Oui. C'est-à-dire à partir de la multiplicité des images que l'élève a la construction d'un concept, ce qui veut dire une idée générale s'appliquant à un certain. Oui, mais le problème, c'est chacun construit son idée. Ça, ça fait problème à l'école, quand on va mettre les notes. Oui, oui, oui. C'est parti du dessin de Gauss, ça? Non, j'ai trouvé, je ne sais plus où, c'était difficile d'ailleurs d'avoir la permission de produire, mais je trouvais que ça, c'était... ça montrait bien le problème à l'école, tel que c'était dans le temps. Quand il y avait uniquement un cours magistral, il y avait ce problème que chacun comprenait. Autre chose, et partez avec ça. C'est ça qu'on voulait. On peut partir avec une autre idée, sachant qu'il faut quand même avoir compris ce qu'on devait comprendre. Oui, mais la difficulté, c'est que l'enseignant actuel, ouais, il n'a pas appris comme ça. Oui. Donc, on a tendance, c'est vrai, dans l'enseignement, à répéter la façon dont on a. Oui, tu as. Ouais. C'est justement ce que je voulais dire tout à l'heure. Ça pose le problème de ce qu'on peut appeler la pédagogie universitaire, qui est devenue maintenant une chaire, hein, dans certaines universités. Fondamentalement, l'activité intellectuelle est le même chez les enfants et chez les adultes. Les problèmes fondamentaux sont les mêmes. Et les étudiants à l'université ne devraient pas être là à prendre des notes et prendre des notes, je crois que ça a déjà changé. Il vaudrait mieux donner les notes avant et pouvoir ensuite les discuter. Bon, ça, on l'a déjà fait à l'ISP dans le temps. Maintenant, ça a des noms. On l'appelle la pédagogie inversée ou des choses comme ça. Mais c'est vrai, quand je voulais parler de cet rapprochement. Il faut rapprocher la théorie et le concret. On ne doit pas avoir un cours pendant une heure et après on va faire un exercice le lendemain et personne ne vous aide à faire le lien. Ça devrait arriver en même temps pour qu'on puisse relier le concret et l'abstrait. J'étais très heureuse quand j'ai trouvé cette phrase d'Edgar Morin. Parce que c'est exactement ce que j'essaye de faire dans les scénarios que j'ai expérimentés, où il y a des exemples et des contre-exemples, et les élèves peuvent discuter, comprendre, avoir différentes entrées, argumenter, contre-argumenter, collaborer dans de petits groupes, discuter entre les groupes, et finalement arriver à quelque chose qui est plus général que leur compréhension subjective tout à fait au départ. Mais ça prend plus de temps. Mais comme j'ai essayé de dire tout à l'heure, on peut apprendre toutes ces autres choses, toutes ces compétences sociales et relationnelles en même temps, si on s'exerce à les faire pendant qu'on apprend. La façon d'apprendre devient aussi importante que ce qu'on apprend. Et finalement, on pourrait dire que le contenu, c'est quelque chose sur lequel on exerce sa pensée, sa compréhension. Les contenus, ils vont changer, on va les oublier. Mais on va se souvenir de ces démarches qu'on s'est entraîné à faire avec les bons pédagogues qui étaient là, qui ne vous donnaient pas tout de suite la réponse, mais qui vous donnaient des petites pistes
pour réfléchir, pour aller dans le sens, qui cherchait les bons exemples, qui pouvait parler aux élèves. Et là, on pourrait collaborer aussi. Quand on trouve quelque chose de formidable, quand on travaillait, vous savez, avec ces jeunes enfants, j'ai parlé tout à l'heure, pour faire des rédactions, ils devaient apprendre des métaphores. Ce n'est pas facile de savoir ce que c'est qu'une métaphore. Et si vous regardez le dictionnaire, c'est une explication que même moi, je ne comprendrais pas maintenant. Mais si vous sortez un tableau de, comment il s'appelle, le peintre italien qui fait les têtes avec les... Hein? Acemboldo, voilà. Merci, Christine. Alors, si on a un tableau avec le nez qui est une patate et le cheveu qui est de la mousse, on peut dire qu'une métaphore, c'est comme quand on utilise un autre mot pour dire la même chose. C'est comme ce tableau où on a mis une patate à la place du nez. Et tout à coup, ça peut parler à quelqu'un pour comprendre qu'on change de mot pour dire autre chose. Les enfants ont été formidables à 11 ans à inventer des analogies et des métaphores. Et c'est pour ça qu'ils ont gagné le prix pour la rédaction. Oui. On apprend ce que c'est qu'une métaphore à travers les paraboles. Oui, tout à fait. Tout à fait. Si on ne fait pas ça, oui. L'élève comprend, oui. Jeune comprend, oui. Moins bien, oui. Ce que vous voulez dire le Seigneur, oui. En parlant par paraboles. Tout à fait. C'est un bon pédagogue. Oui. Est-ce qu'il y a encore une question? Juste une question, monsieur. Un peu plus fort, Sylvie, puisque, oui, puisque j'ai le micro, mais je ne peux pas aller jusqu'à toi. Le rôle des parents, vous savez dire, ou tu peux répéter la question pour que tout le monde l'entende? Un peu, oui. Est-ce que tout le monde a entendu la question? Non. En quoi les parents apprenants peuvent-ils accompagner? Tu dis encore? Tout à fait. Les regards qu'a les jeunes sur le processus d'apprentissage, voilà. C'est ça. Bon, je ne suis pas sûre que je peux vous donner une réponse. Je dirais, oui, sûrement. Dans chaque culture, on apprend ce que la culture valorise. Donc, ce qui est valorisé ici n'est pas nécessairement valorisé ailleurs. Je crois qu'il faut le situer dans une culture. Et on ne peut pas prendre la même question ici et à un autre lieu. Et quelque chose qui est valorisé, qui n'est plus valorisé de la même façon, est peut-être toujours valorisé dans un autre lieu. Et c'est chaque culture qui décide ce qu'elle valorise. Oui. Mais oui, vous avez entendu, c'est oui, important. Oui. C'est, oui. 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 Là, oui, je pense. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, mais je répète la question. L'enseignant. C'est important. Bon.
Non, non, c'est bon. Appuyez là. Il y a un petit bouton, juste un petit. C'est bon? Bah, c'était un micro qu'on avait. Oui, ça doit être bon. Je voulais juste ajouter, quand on parlait du parent apprenant qui semblait important pour les élèves, pour les enfants, je pense important aussi que l'enseignant apparaisse comme un enseignant apprenant devant les élèves. Je crois que c'est quelque chose. Moi, je le vois avec le numérique aujourd'hui. Le fait que l'enseignant puisse être aussi apprenant devant les élèves est important, ouais, je trouve, pour les élèves. Mais vous savez, je suis parfaitement d'accord avec vous. On le sait aujourd'hui, c'est important l'idée qu'on apprend tout le long de la vie. Et c'est vrai. Que les élèves apprennent comment on fait pour apprendre et qu'on peut changer de rôle, que c'est parfois le mauvais élève qui peut être celui qui enseigne et que c'est lui qui a une force. C'est très important de pouvoir donner une place à chacun, qu'on peut être bon quelque part et aider le prof, comme disait cet enfant. Donc ça, c'est tout à fait vraiment d'accord. Une dernière question. Oui, non, moi, ce n'est pas une question, c'est parce que ça fait référence. Bon, je connais bien le travail de Britt, puisque j'ai été son étudiante en 1980. C'est juste pour associer tout ce qui vient d'être dit au propos de Jacques Rancière dans Le Maître ignorant, 5 leçons sur l'émancipation intellectuelle. Et ce que vient d'être mis en question, on peut le reprendre. Expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est d'abord lui démontrer qu'il ne peut pas le comprendre par lui-même. Avant d'être l'acte du pédagogue, l'explication est le mythe de la pédagogie, la parabole d'un monde divisé entre esprit savant et esprit ignorant, entre intelligence inférieure et intelligence supérieure. Voilà. Merci beaucoup. Ça va bien plaire à François-Xavier Hibert avec Le Maître ignorant. Donc Britt va nous faire une citation et puis après je demande à Brigitte de venir aussi. Une autre Brigitte. Ouais. Quelqu'un d'autre voulait poser la question? Non, c'est bon. Je pensais que pour terminer, avant d'avoir un pause déjeuner bien mérité, que tout ce qui change beaucoup avec ce changement de l'école, c'est la posture à avoir en classe. Et c'est pas facile quand on a été habitué d'avoir d'autres rôles, de changer sa posture. J'avais plaisir d'entendre le nom de Kierkegaard qui était mentionné ce matin avec l'accent français Kierkegaard. Mais il s'appelle Søren Kierkegaard, c'est ça. Et j'avais trouvé sur un banc d'école un petit papier que j'avais traduit pour mon deuxième livre, où il parle de cette posture quand on est face à quelqu'un à qui on veut apprendre. Voilà, je l'ai traduit pour inciter à la réflexion. Si je veux réussir à accompagner un être vers un but précis, je dois le chercher là où il est et commencer là, justement là. Celui qui ne sait faire cela se trompe lui-même quand il pense pouvoir aider les autres. Pour aider un être, je dois certainement comprendre plus que lui, mais d'abord comprendre ce qu'il comprend. Si je n'y parviens pas, il ne sert à rien que je sois plus capable et plus savant que lui. Si je désire avant tout montrer ce que je sais, c'est parce que je suis orgueilleux et cherche à être admiré de l'autre plutôt que l'aider. Tout soutien commence avec humilité devant celui que je veux accompagner. Et c'est pourquoi je dois comprendre qu'aider, ce n'est pas vouloir maîtriser, mais vouloir servir. Si je n'y arrive pas, je ne puis aider l'autre. Merci beaucoup. Comme vous voyez, on m'a demandé d'être vraiment le maître du temps. J'essaie de donner une image de moi, de quelqu'un qui sait gérer le temps. Donc, je vais, et puis je le sais, il ne faut pas sourire parce que ça monte. C'est un peu gênant de sourire quand je dis ça. J'essaie vraiment de gérer le temps. Merci, doyen. Donc je laisse la parole pour Didier. Je te laisse le micro.
Bon, ça va comme ça. De toute façon, ça ne va pas être long. C'est juste pour vous dire que nous vous retrouvons à 13h30 pour un accueil avec un café. Et redire bien qu'il y a deux salles pour le café, voilà, dont l'une présente, il y a une librairie avec des tas d'ouvrages intéressants. Eh bien, bon appétit. Merci. Et respectons les temps. Ne prenez pas les cafés chez les restaurateurs. Nous avons du café, c'est du bon. À tout à l'heure. Merci.